Bonjour, bienvenue dans Game of Rolls numéro 2. Merci d'être là. Information très importante, je vous rappellerai à la fin du Game of Rolls, c'est que bien que ce soit une émission qui se passe tous les 15 jours, le prochain Game of Rolls numéro 3 sera la semaine prochaine, le 11 mars, donc dimanche prochain. On se retrouve pour la suite des aventures. Si vous n'êtes pas mort, ce sera peut-être avec d'autres personnages. Voilà. Autre petite chose que vous aurez aujourd'hui, qui est on essaie un petit peu d'ajouter des choses. Il y aura des surprises pour la troisième session, mais la surprise du jour, c'est que de temps en temps, on va vous poser des questions, comme la dernière fois. Et ces questions commenceront parfois par écrivez l'histoire, deux points. Est-ce que ce personnage est un traître? Oui, non. Est-ce qu'un énorme monstre va manger Clodomir? Oui, non. Et en Non. fait, quand vous allez dire oui ou non, moi, je vais avoir les réponses. Et donc, en fait, vous allez influencer l'histoire puisque je vais avoir ce que vous avez décidé, en fait, sur les personnages, le scénario, les événements. Donc, soyez attentifs, soyez justes, soyez vous-même, en fait. Voilà, plongez nos héros dans de belles aventures ou dans de grands périls. Nous reprenons l'aventure de la dernière fois, donc je vais faire une petite introduction sur ce qui s'est passé la dernière fois, et après on va reprendre l'aventure in medias res. Donc, c'est l'histoire, dans un monde magique, de quatre personnages: Niklas von Troeckel, un alchimiste, Clodomir de Cuivrechamps, un apprenti magicien, Keitra Danachul, une gladiatrice avec deux H, et Atlan Gretaen de Quer, qui a un nom très compliqué, qui est un noble au passé mystérieux, comme son nom d'ailleurs. Et ces quatre personnages étaient un petit peu sans projet de vie fixe et sans perspective de gagner de l'argent et de la gloire. Et ils ont, par un concours de malentendus, usurpé plutôt l'identité d'un juge itinérant du nom d'Ordo. Donc un juge itinérant, ils sont tout simplement passés pour des juges et ils ont commencé à rendre la justice un peu partout. Et même ils ont prélevé des amendes, qui se sont mis dans la poche, hein, qu'ils n'ont pas forcément renvoyé au gouvernement en quelque sorte. Donc ils ont commencé à rendre la justice et pris d'un enthousiasme de justice, ils sont allés jusqu'à un village au nord du royaume qui s'appelle Clavo, un village de mineurs qui était dirigé par ce que Clodomir disait. Un taliban très sympa, mais un taliban quand même. Et donc, ils ne savaient pas trop s'ils devaient, on va dire, éjecter le taliban ou pas. Et finalement, ils se sont dit, bon, on va quand même enlever le taliban parce qu'il n'a pas l'air très, très sympathique. Ils ont monté un stratagème qui était complexe, mais qui quand même a réussi d'un cheveu. Donc, ce stratagème consistait à créer une potion hallucinogène, à organiser un grand banquet dans une pièce close avec tous les gens et à jeter cette potion hallucinogène aux pieds des personnes invitées en se protégeant, en se masquant le visage pour ne pas succomber à la potion. Ils sont tous succombés à la potion, sauf notre gladiatrice qui résiste à tout, aux monstres et aux potions hallucinogènes, et qui a pu donc attacher tout le monde, sauf trois mercenaires, deux mercenaires plutôt costauds, Pack et Science, et un archer. Et la séance est terminée, hein, c'est un climax incroyable dans lequel Keitra avait sa hache sous la gorge de Caldera. Pack et Science était là en disant qu'est-ce qu'on fait? Caldera disait ne faites rien pour le moment parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Tout le monde était plus ou moins soit out, sauf nos héros, soit attachés par des cordes. Et la question. Alors, juste pour qu'on se remette un petit peu dans l'ambiance flashback, Caldera a fait une première proposition en disant « Ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas, et en échange, je vous donnerai un vase en or d'une valeur de 50 écus qui est chez moi. » Proposition que vous avez a priori refoulée, mais vous pouvez peut-être revenir sur votre question. Et deuxième proposition qu'il a fait, il a dit « Messire, épargnez-moi, moi et mes amis, et si vous le faites, épargnez-moi et laissez-moi partir au loin avec suffisamment d'or suffisamment de mes trésors que peuvent en supporter mes chevaux, et je vous jure, par le fleuve des morts, que je ne reviendrai jamais dans ce village. Voilà. À vous, qu'est-ce que vous faites? C'est toi qui as la hache. C'est Ouais. toi qui as la hache, Bah, ouais. Alors là, on s'est arrêté sur cette propale. Non, nous, vous on êtes était encore fous. bancal ou pas? Non, Non, on vous êtes, vous êtes tous non, réveillés. c'était levé, Ouais, on vous êtes était tous sorti de la réveillés. popo, ouais. Okay. Moi, je sais que je suis un suis peu Moi, je en n'aime pas panique. trop ce personnage. En plus, je vous rappelle mon passé quand même, hein, j'étais Oui. esclave. Les peuples opprimés, j'aime pas trop ça. D'accord. Moi, je suis plutôt pour le bon, pour Moi, le les tuer. amis, Pour je vous le dis, tuer. ne prenons aucun risque. Ce Caldera est un malfrat. Ce Caldera a des relations. Butons-les.
Butons-les. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même, il reste Tiyu, hein, c'était ça le Tiyu nom de l'archer. Tiyu et Pâques et Science. Et Pâques et Science. Ouais. Ouais, il y a trois personnes. Au manoir. On a un village. Ils sont pas au manoir, ils sont même devant vous là. Ils sont tous devant nous. Ils sont devant nous. Mais ils ont jeté leurs armes à terre. Ils ont jeté leurs armes à terre. On maîtrise la situation. On maîtrise la situation, on les attache et on les noie. Tous. Alors moi, je n'aime pas avoir du sang sur les mains. On n'aura pas de sang, les noix, mon cher. Mais je pense que Kaitra et Atlan, si vous avez l'expérience de la chose, accomplissez la basse besogne. Il ne te reste pas une potion de glu, là? On pourrait tous les coller ensemble. Non, mais on les attache tous ensemble. Non, la potion de glu a été utilisée pour réparer une statue. Et accessoirement, ta hache. Oui, c'est vrai. J'ai plus de potion de glu. J'ai plus grand-chose, là. Je suis un peu à sec en termes de. Si t'en avais refait une, on aurait fait un petit paquet. On les aurait tous collés. Et je t'ai. Et Katamari Damacy. Et je t'ai. Et je t'ai à l'eau. Est-ce qu'on ne ramasserait pas les armes qu'ils ont jetées à terre déjà? Si, on se fait. Je vous rappelle qu'on a un manoir à explorer aussi, hein, qui regorge de petits pains à la cannelle et de trésors à tout va. Alors, ouais. De beignets au safran et surtout d'immenses trésors. Moi, j'ai vu des petits pains à la cannelle quand même. Donc, c'est ce qui m'a. Bon, okay. Alors, écoutez. L'heure est grave. Attends, je vous suis, tuons-les. Alors, attends. Je te rappelle qu'on parle quand même d'une dizaine de vies quand même. Ils sont 8, effectivement. Voilà, ça fait 8 vies qu'on va prendre d'un coup. Faisons les choses bien. Déjà, on les dépouille et ensuite, on les attache tous ensemble. Ouais. On fait un gros paquet, exactement. Ouais. Et on les pousse dans le fleuve qui avait l'air d'être quand même assez. Moi, je l'ai vu, hein, ça défile. Hein. Comment vous proposez. Alors, ça, c'est, vous êtes dans vos têtes, vous murmurez entre vous. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle est votre méthode? Alors, pour marcher, ils sont attachés, on va les looter. Ils ne sont pas attachés, il y en a trois qui ne sont pas attachés. On récupère les armes, déjà. Alors, on récupère leurs armes. Ah, ceux qui ont jeté leurs armes à terre. Donc, Tiyu et Pâques et Science. Tiyu. D'accord, très bien. Caldera pense que. Fait confiance en. Il dit : je pense qu'ils ne me tueront pas. Allez-y, laissez-les récupérer vos armes. Très bien. Vous récupérez deux massues. Je vous donnerai les statistiques si vous voulez les employer. Okay. Et également un arc avec quelques flèches. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai une petite idée. Je dépouillerai bien Caldera de la tête aux pieds, donc tout nu. Et je lui piquerai ses vêtements, en fait, parce que j'aimerais bien me faire passer pour lui. Si jamais quelqu'un le cherche, je dirais que c'est moi. Ah, pas mal. C'est vrai que. Ouais, pourquoi pas. Tu as ce don. On sait jamais. Si jamais, hein, oui. Dans la vraie vie, je serai toujours Atlan, mais le jour où quelqu'un nous dit où est Caldera, je suis Caldera. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun témoin de. Il faut que Caldera soit sûr qu'il ne survive pas et donc personne ne l'abandonne. Alors, Caldera, juste c'est vrai que tu peux faire ça. Néanmoins, Caldera, c'est une personne qui est d'une autre race que toi. C'est-à-dire que c'est vraiment une race différente. C'est il a des longs cheveux très rouges et il a des yeux très allongés. C'est pas un humain. Donc, disons que je me ferai passer pour Caldera auprès des gens qui ne connaissent pas Caldera. Voilà. Okay. Donc, on dépouille tout là. On dépouille tout. Déjà, on n'a pas réfléchi à la succession. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on retire Caldera, sachant que le sénéchal précédent est plus là. On met Julia. Pourquoi Julia n'est pas un. D'ailleurs, Julia dit. Je trouve que tous les tués, autant je suis contente que Caldera ait son châtiment, je trouve que tous les tués, c'est un petit peu violent. Peut-être devriez-vous les accompagner au Seigneur du Rideau. Oui, mais ça ne va pas du tout de le sens où on doit aller, ça. Et je vous signale que si vous voulez vraiment les tuer, c'est la pendaison qu'il faut, Sirius. Trop long, c'est long. C'est vrai que dans l'autre village, ils réglent ça par la pendaison à chaque fois. Hein. Quand on a sauvé les trois innocents de la pendaison. C'est bruyant. Ouais. Ça demande beaucoup trop de matériel alors qu'on a un fleuve à côté. Est-ce qu'on pourrait pas sous-traiter la pendaison à d'autres gens? Par les villageois, ouais. Mmh. Peut-être. Un genre de truc un peu sur le même principe que la carriole qu'on appelle et qui nous amène où on veut là. Et après on descend de la carriole et puis on la laisse prendre d'autres clients. On fera un genre de cariolisation de la pendaison. D'accord. Et on laisse en fait d'autres gens prendre les gens à pendre et les descendre par exemple à Reims où il y avait le. Donc vous créez une sorte de cariole prison et vous les emmenez à Reims? Bah en tout cas, nous, non. On sous-traite. En gros, on sous-traite, quoi. Oui. Voilà. Ah, mais du coup, ils vont être jugés là-bas, ils vont peut-être pas se faire. Je te rappelle quand on y était. Écoutez, les amis, on a une aventure, on a tous des objectifs personnels. Moi, ils sont très importants. On va pas commencer à gérer tout ça. Bah oui, voilà. Voilà, donc sous-traitons la mort. Après, c'est pas très long de les noyer aussi. Hein. Moi, je dis ça, on les attache, on les pousse, c'est terminé. Je suis pour la facilité. Parce que là, la pendaison, ils peuvent s'enfuir, tu vois. Qui nous dit qu'ils vont pas se faire... Suivons Kaitra et Atlan, on les noie. Alors, dernière supplication de Caldera, qui comprend que vous allez vraiment le tuer et il n'en revient pas. Il dit, Kaitra, vous qui voulez ma mort, je vous avertis si vous me tuez, mon fantôme viendra vous hanter. Est-ce que tu maintiens ta décision ou pas? Attends, c'est pas que ma décision, là, c'est une décision. Il te regarde les yeux dans les yeux, ok?
Alors, c'est un peu ta décision. Quoi que c'est. J'ai pas peur des fantômes. Eh ben d'accord, très bien. Alors tu le pousses dans l'eau ou pas? De rage? Non, pas de. Non. Quoi, tu pas de rage, attends. Non, tu on le rage, rassemble, tu on le rage, rassemble, tu... D'accord, tous et tu, déjà, tu le pousses lui rationnellement, c'est ça? Non, on les rassemble. On les rassemble, oui, on les rassemble, on déjà, rassemble, on les rassemble attachés. Sur le pont fraîchement reconstruit. Voilà. Tout à fait. Très bien. Qui voulait détruire. Et donc, tu le pousses Caldera dans l'eau? Ouais, le premier, ouais. Carrément. Allez. Très bien. Ok, très bien. Donc, Caldera. C'est la noyade de 8 personnes, et tout disent Ordo n'est pas quelqu'un de rigolo. Et vous avez débarrassé le village de Clavo du clan Caldera. Je ne sais pas si je dois vous féliciter, l'avenir vous le dira. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avant de looter le château? Atlan met son truc dans la vie. Ouais, mais très bien, allons-y. Attendez, vous je avez trouvé peut-être des ingrédients pour mes potions. J'ai vu le château. Voilà, des ingrédients. Tu as récupéré les vêtements là. Moi, j'ai récupéré les vêtements de Caldera. Hein. Oui. Bon, je suis bien content que ce soit vous qui gérez cette mise à mort. Je les mets un peu dans le bouche, je les fous dans une besace et je les porte pour l'instant. Alors, vous remontez la colline qui mène au manoir et Julia vous dit bien entendu, toutes les richesses que vous allez saisir sont pour la seigneurie du rideau, on est d'accord? Bah oui. Oui. D'accord. Oui. On peut prendre un ou deux petits trucs, non? Oui. Alors, vous rentrez dans le manoir qui a beaucoup de richesses qui sont incalculables parce que vous avez toujours vécu dans la pauvreté, des choses très riches. Il y a quelque chose il y a deux, trois choses qui détonnent un petit peu. Donc, il y a une espèce d'œuf. Je vous en avais parlé la première fois, mais un gros œuf qui est veiné de verre, une créature mystérieuse ou pas. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui semble un petit peu magique. Sinon, il y a beaucoup de choses en or ça doit être en milliers et milliers de pièces d'or. Et aussi, petit problème, tout est plus ou moins encombrant à transporter. Si vous voulez transporter, il vous faudra une charrette et des chevaux. Voilà, c'est gros. Il se trouve qu'ils ont aussi 8 chevaux. Hein. On va se prendre un cheval chacun, déjà, ouais. Pour se déplacer plus vite. On prend le blanc. Tout de suite, Atlan. S'il y en a un, je le prends. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on se... Je comprends que les richesses soient attirantes, mais est-ce que ça ne va pas nous encombrer pour de si, vrai ouais, c'est... Mais on peut prendre ce qu'on peut porter. On peut prendre des choses qui vont servir plus tard. Est-ce qu'il y a des pièces d'or dans ce manoir? Quel est le meilleur rapport poids-valeur qu'on peut trouver? Voilà. Alors, il y a des colliers en or. Ouais, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup les colliers. Voilà, j'aime beaucoup vraiment, les porteurs. Tu sais, des grosses chaînes en or qu'on porte très autour du cou. Voilà, très bien ça. Ça fera. L'œuf, on va le prendre aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut l'inspecter cet œuf? On a un expert en sciences naturelles qui a identifié à la tronche et on sait pas trop ce que c'est. Ah là là. C'est peut-être un phénix. Laissez-moi faire attention, vous allez voir. Ce petit scan d'œuf. Alors. 79. Eh ben, je l'ai chié, mon scan d'œuf. Alors, Nicolas pense que c'est un œuf d'une très grosse poule. Voilà. Ok. Bon, on est bien avancé. Alors, pendant que vous êtes en train d'inspecter tous ces merveilles... Hein. Par contre, c'est une sacrée poule. Hein. Je tiens à le dire, en tant qu'expert, je trouve que c'est vraiment une sacrée poule. Élevé en plein air, je pense, au moins. Vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'on va prendre. Même, vous allez dire, on va enfin dormir peut-être dans un bon lit. Attends, et d'ailleurs, je vous propose de trinquer. Oui, trinquons à cette très belle œuf de poule, trinquons santé. À la réussite et trinquons à la mort de 8 brigands d'une race inconnue. Écoute, on ne les connaissait pas vraiment, moi je ne suis pas du tout attesté. Voilà, très bien, nous avons tué, nous n'en réjouissions. Pendant que vous êtes en train d'évaluer ces richesses, Julia vous demande de descendre et elle a quelqu'un à vous présenter qui vient d'arriver au village et il n'est pas venu seul, ils sont venus à 10 personnes. Donc c'est un chevalier qui a une armure de maille et qui a un casque, et je suis obligé de vous en parler parce qu'il a un casque qui a une chose particulière. Il a une plume en haut de ce casque, et c'est une plume qui est vraiment très très longue. Elle fait 2 à 3 mètres. Ah oui. 2 à 3 mètres. Ouais, c'est une plume énorme. C'est peut-être la plume du poulet qui a fondu l'œuf. Ce que je peux dire, c'est un sacré poulet qui a fondu l'œuf, d'après mon expertise. Et il se présente et dit « Je suis le chevalier Garnier. » Chevalier Garnier. Et je suis chevalier... Je travaille pour quelqu'un qui s'appelle Eric, seigneur Eric, qui est vassal du seigneur du rideau. J'étais venu pour pacifier Clavo, mais je vois que le travail était fait. Et on me dit qu'il y a un certain Ordo qui a fait des miracles. Est-ce que je peux savoir qui c'est? Bah oui, c'est lui. Bonjour, Garnier. Est-ce que vous êtes le même Ordo qui a tué tous les bandits de la forêt au sud d'Arance? Oui. Et vous êtes aussi l'Ordo qui a rendu justice à Arance et qui a empêché la pendaison de 3 personnes? Oui, tout à fait. Enfin, on l'a fait en petit comité quand même, mais oui. Et là, vous avez... Il y avait un clan d'Osmaniens qui tenait
la ville qui approvisionnait le fer de l'armée du rideau, et vous les avez tous tués. Oui, alors ça a été un petit peu expéditif, mais ma foi, on s'est dit que ça serait quand même un bon moyen de s'en débarrasser. Non, mais comment vous avez fait ? Vous êtes juste 4. On a des atouts, pas mal d'atouts. Écoutez, c'est vraiment très impressionnant. Et là, vous êtes en train de saisir toutes les richesses du rideau pour les apporter au seigneur du rideau, c'est ça ? Ah non, on ne saisit pas, là. On était simplement en train d'inventorier pour être sûr que rien ne manque. D'accord, mais écoutez, vous savez, je trouve que vous avez fait du bon travail. Gentil, Garnier. Vous avez fait surtout du travail, un travail que j'aurais dû faire et je pensais qu'il allait être très fatigant et très compliqué. Ben, tout semble simple quand c'est vous qui passez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger tout ça dans une charrette et puis on va tous aller voir le seigneur du rideau, ça vous dit ? Alors, on n'avait rien de prévu. Je pense que le seigneur du rideau va certainement récompenser des gens aussi... aussi efficace que vous. N'oublions pas nos chevaux, hein, on est venu avec, donc on serait bête de repartir sans. Les chevaux, puis on avait un œuf aussi. Ouais, qu'on a posé dans le... Un œuf, c'est qu'un œuf de poule. Qu'on a trouvé dans la forêt. Très grosse poule, mais on le prend. Voilà, on le prend avec nous et on le suit alors du coup. Je comprends pas pourquoi vous me parlez de cet œuf si vous l'avez trouvé dans la forêt. Parce qu'on le porte présentement sur nous là. Je suis pas surpris qu'on ait ça dans le sac en fait. Voilà. On va tous voyager ensemble. D'accord. C'est quand même un bel œuf. Mais par contre, oui, faites-vous plaisir. Hein. Prenez, allez-y. Bah, de toute façon, vous allez m'aider et on va tous. Oui, évidemment. Là. Alors, Garnier prend un peu les choses en main. Il a avec lui un érudit, un ingénieur, un sapeur. Et il est en train de reconfigurer le village un petit peu. Mais vous avez déjà tout fait. Vous avez reconstitué le pont, refait la statue. Est-ce que vous avez vu cette statue de Garnier ? Mais oui, il dit. Très belle statue. C'est vraiment. Mais c'est pas, vous êtes assez miraculeux. C'est assez fantastique. Non, en un petit peu de temps en plus. C'est l'alchimie. Il charge toutes les richesses dans une carriole. Il vous met aussi dans la carriole. Et il dit, écoutez, on part voir la seigneurie du rideau. D'accord ? Alors, on monte dans la carriole, mais on a nos chevaux attachés derrière. On insiste sur les chevaux. On est venu avec. D'accord. Julia vient avec vous, parce qu'il est aussi impressionné par... Il considère que Julia fait partie de votre bande. Et Julia ne le détrompe pas trop, d'accord ? Ok. Est-ce que vous voulez faire une dernière chose avant de partir de Clavo ? On n'a rien trouvé sur le... On n'avait rien looté sur le corps de Caldera. On n'a pas enquêté aussi sur la présence de la chauve-souris maudite, là. Oui, ouais. Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Il va falloir le laisser derrière nous, ça, malheureusement. Est-ce que... Ouais, je pense qu'on va le laisser. Hein. Le Frau ? Le Frau. Non, mais elle était un peu trop haute, remarque. Après, on a des cordes, hein, mais bon... Non, mais pas assez, je pense. Mais alors du coup, on a récupéré quoi ? On a récupéré que deux masses d'armes. Un petit peu d'or. Un arc. Un œuf. Je veux bien l'arc. Et une belle bête. Tu veux l'arc aussi, Kétra ? Une tenue. Kétra prend toutes les armes. Arme à distance. C'est pas bien, moi qui ai manié l'arme. Prends l'arc. Tu as un arc avec 9 flèches. C'est pas mal. Elle a un arc et 2 haches. Disons, c'est... Ouais. Faut s'équiper. Hein. Il y a des gens qui... Bref. Bon, vous êtes à l'arrière d'une carriole. Ok. Votre petite troupe longe le Parcoul. Alors le Parcoul, c'est la grande rivière qui prenait naissance dans la montagne sacrée. D'accord. Qui va jusqu'à la seigneurie du Rideau. Et il va même plus loin. C'est un peu comme si je vous disais le Rhône ou le Nil. D'accord. C'est un fleuve mythique. C'est là où on a acheté les malouins. Exactement. Ils ont disparu dans l'eau. Sans revenir, est-ce qu'ils reviendront un jour sous forme de fantômes ? Attendez. On verra. Petite question. Vous les avez égorgés avant de les jeter ? On les a attachés. Ils sont attachés. Super bien attachés, ils ne peuvent pas se détacher. Là. D'accord, ok. Ils sont noyés. Si elle vous le dit. Donc, votre petite troupe longe le Parcoul qui s'élargit au fur et à mesure qu'il collecte les torrents des montagnes du Nord. Installé dans une carriole, vous passez votre temps à regarder les nuages, les sommets enneigés, les forêts sombres et mystérieuses. C'est beau. Le voyage va durer 2 nuits. La première nuit, Clodomir fait un rêve. Un rêve artificiel, oui, mais ça, c'est pas un rêve où tu es tout nu devant tes camarades de classe. C'est un rêve un peu artificiel dans lequel ton maître te dit que ton voyage d'un an est terminé, Clodomir, et maintenant il faut que tu reviennes me voir. Ah. Voilà. Ok. D'accord. Deuxième jour un peu ennuyeux également. Vous longez les terres du Parcoul, une forêt plutôt agréable. Et la deuxième nuit, Garnier, qui a donc cette longue plume, il tue un faisan, qui est justement un faisan avec des longues plumes.
Et ils expliquent que c'est un faisan royal, que seuls les nobles ont le droit de le tuer. Donc il dit que vous allez pouvoir en manger. Je vous partager ça avec ça en remerciement, on va dire, personnel du travail que vous avez fait. Mais habituellement, si vous envoyez, ne les tuez pas. Voilà. C'est un conseil qu'ils vous donnent. Donc vous mangez. Et vous avez, comme c'est une viande qui est très agréable, ceux qui ont un point de vie, enfin qui ne sont pas au maximum de leur point de vie, peuvent en gagner un. Et c'est pas toi qui étais blessé. Il se retape petit à petit. Vous pouvez poser une question si vous voulez au chevalier Garnier qui connaît pas mal de choses, mais il n'est pas ultra puissant. D'accord. Moi je suis intéressé par la plume du chevalier Garnier. Est-ce que ça peut être un ingrédient intéressant pour moi? Alors, il te répond... Vu qu'on a tué un faisan et qu'il a forcément plumé le faisan... Il te répond, je suis désolé, cher Nicolas, en dépit de l'estime que j'ai pour vous, mm-hmm. je ne peux pas vous donner ce type de matériel puisque c'est un faisan royal. Seuls les nobles peuvent le toucher, le transformer, le manger. Mais les nobles? Non. Exactement. Moi, je fais usage de mon savoir-faire de la cour. Oui. Et je lui... Tu t'es passé pour un noble? Je suis un noble. Alors, oui, mais il faut tu n'es pas habillé tout à fait comme un noble. C'est vrai, c'est vrai. Tu as plein de vêtements que tu récupères. C'est vrai. Mais tu as une compétence pour ça, pour te faire passer. Vas-y. Faut que tu fasses moins de combien? Faut que je fasse moins de 60. Attends, si tu peux me récupérer cette plume, je te promets une potion de petits oignons. 90. Il dit, je suis désolé, noble Atlant, mais j'ai du mal à croire que vous avez du sang noble en vous pour vos manières et votre façon de vous exprimer. Je ne connaissais même pas votre maison, donc désolé, je ne vais pas vous croire. Et pourtant, jeune homme. Est-ce que notre ami magicien ou gladiatrice ont une question pour Garnier? Non? Si, quel est le protocole une fois qu'on arrive au rideau là? Vous allez être reçu par Anne du Rideau, le seigneur du Rideau, qui va peut-être vous couvrir. Anne du Rideau. Et puis après, je sais pas, peut-être que vous pourrez demander à repartir en mission dans un autre coin du fief, si ça vous intéresse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce seigneur, sa personnalité? C'est quelqu'un qui est assez indépendant par rapport au royaume d'Aria, parce qu'on est quand même près de la frontière osmanlienne. Et donc, on est obligé de défendre un peu les frontières et on est obligé parfois de faire des petites divergences de décision avec le royaume. Mais c'est quelqu'un qui est assez lucide et qui est bon. Vous verrez, en arrivant au village du Rideau, vous verrez que les gens ne meurent pas de faim, ce qui est bien. Et on n'a pas recours à la pendaison souvent. C'est-à-dire que votre justice expéditive est un peu étonnante, mais je la trouve efficace. Donc ça, c'était ta question. Et est-ce que tu as... Pas de question? Non, pas de question. Alors il dit, la nuit est propice, et nous sommes d'ailleurs sous les étoiles de la vérité. Je vous propose de trinquer, c'est une très belle nuit. Voilà. Et moi j'aime célébrer les belles choses. Sans tard, effectivement. Et comme le veut la coutume, sous les étoiles de la vérité, si vous voulez, vous pouvez raconter une histoire personnelle. Donc je vous ai demandé, off, de préparer une histoire si vous en avez une. Si vous avez une histoire à raconter, lui... Il aura une histoire à vous raconter intéressante, mais si vous n'avez pas d'histoire à vous raconter, ce sera fini pour la soirée. Alors moi, j'ai une histoire. Ah. J'ai une histoire. Et nous t'écoutons, Nicolas. C'est une histoire au coin du feu, c'est ça? C'est une histoire au coin du feu. Voilà, vas-y. C'est l'histoire d'un compagnon, un camarade de promo qui s'appelait Chou. On était vraiment très, très, très... Chou? Très, Chou. On était vraiment très amis. C'était un très bon... Un jeune alchimiste extrêmement prometteur, un très bon compagnon de soirée, de beuverie et autres réjouissances d'étudiants. Malheureusement, son ambition l'a consumé et a consumé notre amitié. Pour passer son diplôme, il a voulu malheureusement créer une chimère, son diplôme d'alchimiste. Et malgré ses moult tentatives, il n'a pas réussi et il en est venu à la fin à essayer de fusionner sa petite amie et son chien. Ça n'a pas été joli à voir. Alchimiste métallique. Tout à fait. Sa petite amie, qui s'appelait Nina d'ailleurs, et son chien qui s'appelait Alexandre. Il a malheureusement, en tout cas, réussi à les fusionner. Il a disparu par la suite. D'accord. Et donc, quelque part dans l'univers, R, un animal qui est mi-chien, mi-fille, qui s'appelle Nina Alexandre.
On ne lui a pas encore donné de nom, mais c'est vrai que ça pourrait lui donner un autre nom. C'est devenu un très grand drame qui a fait un peu le tour des réseaux chez les alchimistes sur vraiment les excès. Et voilà, je me suis énormément disputé avec Chou. Il a disparu depuis et on espère un jour pouvoir faire revenir en arrière ce qu'il a fait subir à sa petite amie et à son chien. C'est une histoire... C'est une histoire de la chimiste très connue, mais très triste. Très intéressante. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une histoire ? Pas sur le moment, non. Non, on va méditer sur cette histoire d'alchimie. Ouais. Bon. C'est pas facile d'être alchimiste. Hein. Ça peut se retourner contre vous. Okay, moi, j'en ai une, mais c'est un peu triste. Les histoires tristes, on prend quand même. Vas-y. Quelle est ton histoire ? Non, mais c'était. Vous savez, moi, j'ai grandi dans des arènes. Hein. Je devais combattre les animaux, les humains. Et en fait, quand j'étais petite, je me suis liée d'amitié avec un bébé tigre. Et c'était un peu mon ami, quoi, mon compagnon. On dirait que tu vas pleurer. vas-y. Non, mais ça m'émeut. D'accord, ok. Et il se trouve qu'après, il a été vendu, donc je l'ai pas retrouvé, mais je savais le reconnaître parce qu'il avait une oreille un peu coupée, avec une façon très particulière de une forme particulière. Et en fait, un jour, je l'ai retrouvé dans une arène et j'ai dû me battre contre lui. Et j'ai dû le tuer. Ah là 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 là. Comment il s'appelle ce Kiki. Kiki. D'accord. Je l'avais appelé Kiki. Kiki. Pas commun. Kiki. Excusez-moi pour, mais c'est vraiment très émouvant. Tu sais. Et du coup. Désolé, Ketra. Je vais raconter mon histoire. Donc. Allez-y, Garnier, partagez-nous quelque chose. Juste au nord du pays, là, vous voyez des montagnes. C'est un pays qui s'appelle le Coest. En gros. Au-delà du Coest, on pense qu'il y a un autre pays qui s'appelle l'Amazia, qui était un pays très riche avec lequel il y a des siècles on faisait du commerce. Malheureusement, la seule voie pour aller en Amazia, c'était un autre pays qui s'appelle l'Osmanli, qui est très compliqué aujourd'hui, on peut plus, qui barre tout, du coup on ne peut plus faire de commerce. Quand j'étais jeune chevalier, le seigneur du rideau m'a envoyé au Coest en disant peut-être qu'il y a un chemin qui va directement en Amazia en passant par le Coest. Donc on est parti, on était 9 chevaliers dans ce pays de montagne. Mon chef, c'était une chef, elle s'appelle Urtsama, qui menait la compagnie des chevaliers. On était 9 chevaliers. Et on ne trouve rien dans ces montagnes. Et un jour, on tombe sur un village de sorcières. Pas du tout des sorcières, genre maison en pain d'épices. C'était des sorcières noires de crasse, qui couchaient avec des serpents et qui pactisaient avec le démon. Mais notre chef, Urtsama, qui était un chevalier au grand cœur, a dit « Repentez-vous, joignez notre fief et priez la déesse Ina de la guérison. Et si vous faites tout ça, on vous épargnera. » Et les sorcières, elles ont dit oui. On dit « Ok ». Elles sentaient très mauvais, donc on a fait un campement en dehors du village. Et les sorcières ont commencé à faire un espèce de tas de terre, ou de boue. Et au bout d'un moment, le tas de terre qui était vraiment très gros, il s'est dressé. Et c'était un espèce d'humain en terre, quoi, énorme, qui faisait genre 10 mètres ou 20 mètres de haut. Il n'avait pas de bouche, pas de rien, il avait juste un symbole au milieu du visage. Et Urtsama a chargé avec tous les chevaliers et ils se sont tous fait écraser. Moi, j'ai fui, voilà, parce que j'ai pensé que ça ne servait à rien de lutter contre ce truc. Je suis parti dans les montagnes et j'ai mangé mon cheval parce que je mourais de faim. Et je suis revenu un jour au village et il n'y avait plus ce truc et j'ai tué toutes les sorcières et je suis rentré au village du Rideau. Voilà mon histoire. Une bien belle histoire. Sacrée thématique, ce feu de camp. Je propose de trinquer à la santé des animaux morts dans cette histoire. Donc, ouais, Alexandre le chien, Kiki le tigre et le golem. Surtout Kiki le tigre. Ouais. Et le golem. Et le cheval. Et votre cheval garni, bien sûr. Parce qu'il et aujourd'hui, qui est devenu ce village ? Oh, je sais pas. Quand je l'ai laissé, il n'y avait plus aucune sorcière. Je les ai toutes tuées. Donc, comment vous avez pu les tuer aussi facilement ? Eh bien, ce sont juste des femmes sans défense quand elles n'ont pas un énorme monstre à côté d'elles. C'est un village de sorcières qui est quelque part entre Coest et Amazia dans les montagnes. Cet être de boue est toujours, rôde toujours dans les environs. Peut-être qu'il est avec Nina Alexander, le chien de... Peut-être. Ce grand golem, on lui donnera un nom. José le golem, peut-être. Alors, il n'a pas dit golem, hein. C'est un être humain... De terre. On ne sait pas si c'est un être humain. C'est un être humain qui fait 10 mètres de haut, quand même. C'est une créature d'argile. Ouais. C'est une créature d'argile. Tout à fait. Très bien. Et il trace dans le sol le symbole, si ça vous intéresse. Est-ce qu'on peut voir ce symbole ? Je veux voir ce symbole, oui. Alors, est-ce que tu peux faire un jet de comprendre la magie ?
Est-ce que tu peux faire mieux que Atlan et moi sur nos premiers jets? T'es là pour rater des jets, les gars. Ah oui, apprendre la magie. J'ai apprendre la magie. Ouais, vas-y. Ok. Donc 89, il ne fallait pas dépasser 40. Très bien. Voilà. Donc je te donne quand même le symbole à titre documentaire, mais ah, ça me dit quelque chose. Ça ne te dit pas grand, enfin ça te dit pas plus grand chose que ça. On peut le regarder ou seul le. Oui, bien sûr. Ouais, tout le monde l'a tracé. Ouais. vous vous endormez paisiblement. Okay. Et Keitra me fait un jet de perception pendant son sommeil parce qu'elle ne dort que d'un œil. Toujours. Réussi ou pas ? Ouais, réussi. Bravo. Alors, tu te réveilles dans la nuit, alors que tout le monde dort paisiblement. Enfin, quelqu'un qui avait songé. Tu te dresses sur un coude, et là, près du feu, tu as une créature très étrange qui est près du feu. Donc, elle est assez fine, genre comme une ombre, tu vois. Hein, mm-hmm. Comme elle est humanoïde, une ombre d'enfant, tu vois. Et elle s'approche curieusement et elle renifle un peu les gens qui sont en train de dormir. Est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu le laisses faire ? Elle est à côté de moi ? Non, elle est en train de renifler Nicolas. Elle a des membres très fins et elle a la taille d'un enfant de 7 ans. Okay. J'attends qu'elle s'approche un peu et je... De toi ? Ouais. Et je la plaque par terre. D'accord. Alors, effectivement, à un moment, elle s'approche de toi. Donc, fais-moi un jet en... combat rapproché, même si tu n'as pas de hache. Oui, parce que là, je ne veux pas l'attaquer, je veux juste lui sauter dessus. Tu l'attaques ? 72, c'est bon. 72 ou 75 ? Ouais. D'accord, mais oui. c'est pas aussi simple que oui, ça. Oui, oui. Donc, tu te jettes sur elle, et tu passes à travers elle. Oh, ok. Parce qu'en en fait, elle est faite complètement de cendres. Elle se dissout un petit peu, et puis après, elle se reforme derrière toi. Ce fait de passer à travers cette créature, tu as avalé beaucoup de cendres et tu perds un point de vie. Et elle s'enfuit dans le noir et il n'y a plus D'accord. rien. Et tu pourras raconter cette histoire demain à tes amis, mais est-ce qu'ils te croiront ? Pas sûr. Ok. Vous vous réveillez au matin. Tout le monde a passé une très bonne nuit, sauf une autre personne, l'un de vous peut-être. Vous reprenez la route. Votre équipage arrive à Rideau, un grand village très propre, composé de maisons en bois et de pierre, mais aussi de grandes fermes dont les champs longent le fleuve qui s'appelle le Parcoul. À votre arrivée, des enfants et des femmes acclament le chevalier Garnier et sa suite. Manifestement, le chevalier Garnier est très populaire. Les gens, effectivement, semblent bien nourris et heureux, comme vous a dit Garnier, signe que le seigneur de Rideau ne veut pas être un mauvais bougre. Alors, il y a un autre fleuve que Clodomir connaît bien, qui s'appelle la Craonne, qui rejoint le Parcoul ici, donc ce qui fait que c'est un fleuve vraiment très très large. Imaginez vraiment le Rhône dans son étiage le plus grand. Le fleuve est immense et puissant, et la forteresse du Rideau, elle se trouve au milieu du fleuve, et il y a un grand pont qui la rejoint. Mais tout le monde n'est pas content de vous voir. Il y a un homme que Clodomir connaît, qui s'appelle Shikitsune, qui montre Clodomir du doigt, et il dit « Messire Gagné, cet homme est un sorcier. Je viens du village de Malbouzon, et il vivait là-bas, quand il était tout mioche. » Et quand on l'a allé de travers, comme par hasard, on avait mal au ventre. Ou une tornade a emporté votre toit. Moi, je le sais très bien, parce qu'un jour, mon chien l'a mordu, et le chien, il est mort juste après. Et j'adorais ce chien. Vous devriez le brûler ici et maintenant. Alors, regardez, il se retourne vers moi, il dit, c'est vrai cette histoire ? C'est un petit peu résumé. Non, mais surtout, tu n'es pas du tout Clodomir, tu es... En plus, non, mais enfin, si, oui. J'accepte mon passé. D'accord. Oui, mais tu es hors d'eau. J'accepte mon passé. Ton passé de sorcier ? Non, pas de sorcier. J'habitais dans ce village quand j'étais jeune, effectivement, à Malbouzon, où j'ai appris la magistrature. La magistrature ? C'est comme la magie, mais avec la strature, pour rendre le droit. D'accord. Voilà. Une baguette magique. Donc, votre défense, c'est que ce que dit Shikitsune est faux. Bah, écoutez, on va pas... Une baguette de magistrat. On va pas croire tous les gueux qui croisent notre route. Je veux dire, les actes parlent pour nous, là. Vous avez vu ce qu'on a fait. Garnier dit, je vous crois. En fait, ça se compte bien. Et Shikitsune crache par terre et dit, tu me le paieras, toi. Alors, est-ce qu'éventuellement, on peut le tuer tout de suite? Il dit, écoutez, c'est vrai que si vous étiez noble, ce serait problématique. Mais là, pour l'instant, il est juste très impoli. Et de plus, on a rendez-vous. Mais vous pourrez régler vos affaires vous-même. Donc, on tolère, dans ce village... Dans cette grande ville. Que la plèbe crache
au passage des gens qui sont supposés rendre la justice. Autant pour moi. Vous savez quoi? On va revenir, on s'occupera de lui. Très bien. Vous n'attendez pas moins, monsieur Garnier. J'ai eu un moment d'absence, excusez-moi. Vous entrez dans la forteresse. Dans la cour de la forteresse se trouve un animal très étrange. Oui. C'est, entre guillemets, un cheval déformé. Mais que Kaitra reconnaît parce qu'elle a été à Kaba, c'est un chameau. Okay. Mais pour vous, c'est un cheval bizarroïde. Bizarre, ce cheval. Qui a des formes, il a deux. Et il y a un chevalier qui s'appelle Albertus. J'ai fait une petite pause, il y a une petite musique un peu forte. Il y a un chevalier qui s'appelle Albertus. Moi, Albertus, je trouve que c'est un cheval du démon, tu vois. Et il se propose de décapiter l'animal dans la cour. Est-ce que vous voulez réagir? Bah oui, non. Quoi, non? C'est bien. Je connais très bien cet animal, c'est pas du tout un animal. Et vous êtes qui, vous? Bah, d'abord, toi, t'es qui? Je suis le chevalier Albertus, je suis le premier chevalier du Seigneur du Rideau. Et vous, vous êtes qui? Ok. Moi, je suis dans la compagnie du juge Dordo. Ouais. Et cet animal, en fait, c'est juste un chameau. Mais ça veut dire quoi, c'est juste un chameau? C'est un autre nom pour dire démon? C'est une autre race. C'est juste une autre race. D'accord. Perso, j'en ai jamais vu. Alors, Garnier... Perso, je trouve ça un peu bizarre aussi. Il fait un peu peur. Écoutez, moi, il y en a plein à Kaba. J'en ai vu, il y en a dans toutes les rues. Il y a des chameaux partout. D'accord, ok. On a croisé tellement de créatures que je pense que celle-ci n'a pas l'air très dangereuse. Est-ce qu'elle a l'air dangereuse? Alors, Garnier se tourne vers vous et dit... alors, vous êtes quatre. Est-ce que vous voulez décapiter ce démon de l'enfer? Moi, je veux bien en manger un petit peu. Non. Non, on suit Kaitra. Si Kaitra me dit que c'est safe... Déjà, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il fout là, ce chameau? À qui appartient-il? Parce que là, on n'est pas à côté d'Akaba, si je ne m'abuse, Kaitra. Garnier, non, Garnier répond, cour, hein. Moi, je ne sais pas, je viens d'arriver, mais ne perdons pas de temps, rencontrons le Seigneur. Exactement. Cet incident écarté, après un dédale de grands couloirs et de grandes pièces, on vous pose sur un banc en face de grandes tentures. Vous n'êtes pas le seul à vouloir voir le Seigneur du Rhino, vous êtes dans une salle d'attente. Et donc, il y a plein de gens qui attendent devant vous. Genre, parfois, ils ont un cochon malade sous le bras. Parfois, ils sont venus plaindre et tout. Et il y a un chevalier très en armes qui est très pressé, qui ouvre la porte et dit « toi, viens !» Donc, ça a l'air d'aller très, très vite quand même. Et il est très affairé, ce seigneur. Mais en face de vous, beaucoup de questions se résolvent d'un coup puisque se trouve un homme vêtu d'une tunique de soie précieuse et portant un turban. Ok. Il vient fortement, il vient probablement du sultanat d'Aqaba, comme vous le dira votre ami Kaitra. Il semble sympathique et il se présente en levant son turban. Et il s'appelle Moussa Haladi. Il dit « Bonjour, voyageur. Vous aussi, vous allez voir le Seigneur du Rhino. Je suis impatient de le voir. » Et vous pouvez lui poser une question avant qu'il soit appelé. Alors déjà, Kaitra, ça va? Tu es toujours recherché par le sultan d'Aqaba ou pas? Je me demande s'il ne me reconnaît pas. Alors techniquement, tu es recherché par plutôt le royaume d'Aria. Ah oui, d'accord. On est dedans? Oui, vous êtes dedans. Ok. Mais, voilà. Si je me rappelle de ton histoire, tu as été emprisonné... Par le sultan. T'es recherché par les gardes. Ouais. T'es une ancienne star recherchée. Bon, c'est peut-être le moment où tu fais profil bas, là, du coup. Là. Il ne faut pas que ça soit quand même par monsieur Turban. Vrai, du coup, on va lui demander ce qu'il fait là, en fait. Je pense que le chameau lui appartient. Noble étranger, figurez-vous que le Seigneur du Rhino a la troisième plus grande bibliothèque du royaume d'Aria. Et je suis à la recherche de savoirs anciens. Plus précisément, je cherche une tombe. Je pense trouver ma réponse ici. Tombe. Pouvez-vous m'en dire plus sur cette bibliothèque? Une question par personne. Ah, pardon. Pouvez-vous m'en dire plus sur cette tombe? Quel beau travail d'équipe. C'est la tombe d'une figure mythologique qui s'appelle le roi des rois. Voilà. Et les gens pensent que c'est quelqu'un qui n'a pas existé. Moi, je pense qu'il a existé. Et j'ai envie de prouver son existence parce que je suis un sage et un lettré. Et j'aime les sciences anciennes. Alors, cher ami, je suis à la recherche d'ingrédients rares pour mes potions. Oui. Vous venez de loin. Oui. Vous avez peut-être des choses qui m'intéressent. J'ai peut-être quelque chose pour vous parce que vous m'avez l'air très sympathique et je vais vous faire un cadeau de mon pays. Eh bien, écoutez, j'ai envie de trinquer avec vous déjà à l'amitié et aux échanges que nous allons faire ensemble. Mais vous êtes quelqu'un de très sympathique, figurez-vous, je suis très mal accueilli dans ce pays et vous êtes une rencontre fantastique. Écoutez, c'est pareil, je suis quelqu'un de, comme vous, très mal accueilli dans ce pays, car les gens ne connaissent pas l'art noble de l'alchimie. L'amitié d'étrangers en terre étrangère, c'est fantastique. Alors, il te donne 30 grammes dans une petite poche de toum. De toum. T-H-O-U-M. Une herbe qui, quand on la fume, détend et qui est l'exportation principale d'Aqaba. D'accord, donc j'ai 30 grammes, c'est l'air d'être de la bonne, c'est ça? Écoutez,
passer de bons moments avec, ça me ferait plaisir. Voilà. Et vous, sachez que vous pouvez en acheter dans mon pays. Et l'entretien s'arrête, puisque, ah, sauf si tu as une question. Cette première dose est gratuite, c'est ça? Toujours la première. Attends, j'avais... Pas de question? Est-ce que tu veux découvrir ton visage? 5 secondes, il s'en va. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que vous comptez trouver dans la tombe du roi des rois? Ah, ça, je ne vais pas vous le dire, mais je cherche un objet en particulier qui se trouve sur les pièces de monnaie de votre pays. Est-ce que je peux, moi, faire un petit jet en connaissance des secrets pour apprendre, en apprendre plus sur... Oui, mais tu peux le faire quand tu veux, pas forcément à ce moment-là, parce que de toute façon, un écuyer l'appelle, il reste 30 secondes à l'intérieur et vous entendez une grande voix qui dit « Dégage, j'ai pas envie de faire affaire avec toi » et vous voyez partir ventre à terre et voilà, il se fait éjecter rapidement. Et juste après, on dit « À vous, venez là !» Et donc vous rentrez dans la salle. Oui, tu as quelque chose à dire? Non, j'allais dire, est-ce que je peux me rappeler un peu des pièces de monnaie de mon pays? Mais dans le pays d'Aria? Oui. Tu peux les regarder aussi si t'en as. Mais moi, je viens pas d'Aria. Non, mais c'est des pièces de monnaie de ce pays-là. Alors, c'est vrai qu'on en a récupéré des pièces de monnaie, mais... Faudra qu'on les regarde un peu mieux tout à l'heure. On n'a pas encore examiné nos pièces de monnaie. Hein. Vous rentrez dans une pièce où il y a une longue table. Ouais. Donc, sur cette longue table, des cruchons d'Hippocras et du vin. Du vin aux épices et au miel. Ah, bah j'aurais dû goûter. Des morceaux de lard fumé, des quartiers de pommes, du pain toasté en tranches épaisses, de la soupe au chou, du navet, de la ragoût de viande, de légumes, des poissons de rivière frits et du pain d'épices. Et au milieu de la table, un cygne entier rôti. Donc on est en train de découper le cou. Si vous voulez manger du cou de cygne, c'est le moment. On est sur du bon festin déjà. Ça se goûte tout ça. En table, entouré de conseillers de tous âges, le seigneur du rideau. Il est grand, il est sec, il est enveloppé dans le bleu des armoiries du rideau. Il a des yeux féroces, il ne mange pas. Il vient de gueuler en plus contre un mec qui vous semblait plutôt sympathique. Garnier pose un genou à terre. Agacé, le seigneur, il dit « Allez, vas-y, raconte-moi ce qui se passe. » Et vous pouvez vous asseoir et manger ce que vous voulez. Ah. Au festin. Moi, j'ai envie de trinquer un petit peu. Moi, j'aime bien des fois trinquer, mais pas trop souvent trinquer, mais des fois, il faut trinquer. Alors, Garnier fait un discours très qui me met beaucoup en valeur. Oh bah, il y a de quoi quand même. On lui a fait tout son boulot. Et il dit, bah voilà, alors le seigneur Ordo que je vous présente, oui c'est lui. Il a tué tous les bandits qui ont incendié notamment la ferme Strolin, donc c'est tout au début de votre aventure. Ensuite il est allé à Rance et il a sauvé la vie de Dame Hermance. Il a fait un... Il détaille le processus judiciaire. Vous avez même demandé à la rebouteuse de se laver, tu vois. Après, il dit quelque chose qui vous surprend un peu. Il dit, à la croisée des chemins, je crois qu'il a libéré, quelqu'un qui était en cage. Alors là, le seigneur dit, pourquoi vous l'avez libéré? Jotun. C'est vrai, ce bon vieux Jotun. On l'a pas libéré, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a un peu échappé, quand même. Alors, on l'a voulu interroger. Donc, on a estimé qu'il serait peut-être opportun d'ouvrir sa cage. Et l'individu étant très vif, est parti, a pris ses jambes à son cou. Compagnie. Et donc, on a essayé de le rattraper, mais notre mission de sauvetage du village était quand même bien plus importante que ce petit bandit de bas étage. D'accord. Je suis quand même un petit peu contrarié par le fait que, quand on met des gens en prison, ils n'ont pas à être libérés. Peu importe. Oui, mais enfin, ils venaient de Clavaux. Donc, on s'est dit que c'était peut-être justement les Caldera et sa bande qui l'avaient... Me la faites pas, Ordo. Oh bien. Ensuite, il explique que non seulement vous avez réparé le pont, vous avez fait revenir le fer, vous avez réparé la statue, mais en plus... De très belle manière. Vous avez vu la statue ou pas? Je n'ai pas pu voir la statue, mais on m'a... Et Garnier raconte qu'elle est zébrée d'or et qu'elle est fantastique. Merci. Et que non seulement vous avez, on va dire, noyé les 10 Osmaniens qui avaient pris contrôle du... On s'en est débarrassé. Mais en plus, il y a dans la cour une charrette qui est... contient tout un trésor de guerre, d'une vie de pillage, de milliers et milliers d'écus, que vous offrez finalement au seigneur du rideau. Cadeau. Oui. C'est une manière pour nous de montrer notre bonne volonté. C'était le but dès le début, de toute façon, évidemment. Bien sûr. De saisir tout ça pour le seigneur du rideau. Le seigneur dit, Ordo, il n'a rien oublié dans son... Parce que vous êtes tellement efficace, vous avez signé un traité de paix avec l'Osmanli ou... Non. Non. Vous restez humble, c'est ça? Est-ce que vous diriez que le chevalier Garnier a une bonne mémoire? Est-ce qu'il il a l'air d'avoir une bonne mémoire? Est-ce qu'il oublie quelque chose d'important? Il ne semble pas. Donc vous diriez qu'il a une bonne mémoire, c'est ça? Ouais. Donc, Garnier, puisqu'on a statué que vous aviez une bonne mémoire, il y a un truc qui me pose problème. C'est qu'il y a 15 jours, j'avais Ordo qui était juste là. Et donc là, il y a Ordo qui est là. Et
c'est pas du tout la même tête. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est pas le même ? Et là, Garnier dit, je suis désolé, mais je pense que cette personne est un imposteur. Quelle personne ? La précédente ? Toi ? Oui, Ordo. Ah, ça s'est gonflé. Alors là, autre chose. Avant que vous vous défendiez, je précise que Ordo, c'est une personne qui me sert depuis 20 ans déjà. Donc c'est quelqu'un que je vois régulièrement. Donc je le vois régulièrement et effectivement, ce n'est pas vous, c'est ça ? Donc expliquez-moi. Vas-y, expliquez-moi. Le... Vous avez dû remarquer que ça fait quelque temps que vous ne l'avez pas vu, Ordo. Ça fait 15 jours. Voilà, ça tombe bien. Oui. En fait, nous, on est ses suppléants. D'accord ? Donc vous n'êtes pas Ordo, c'est ça ? Je suis ordonné, en fait, pour... Julien, elle dit... Moi, je comprends pas, parce qu'il est arrivé, il a dit qu'il était Ordo. Hein. Non, on a dit qu'on était envoyé par Ordo. Oui. Non, non, vous avez dit, j'ai dit, est-ce que vous êtes bien Ordo ? Et vous m'avez dit, oui, je suis Ordo. Ouais. Et pour simplifier les choses, parce que je pense que dans les villages reculés, on connaît pas très bien encore les arcanes de l'administration. D'accord, mais alors... J'ai préféré rester simple. Et Gardier dit, je comprends pas, parce que j'ai parlé à Roger, le bourgmestre. Vous avez bien travaillé avec Roger, bourgmestre. Oui, tout à fait. Et il m'a dit, vous aviez la broche de Ordo, et vous avez aussi le parchemin que le seigneur du rideau a donné à Ordo. Oui. Donc, qu'est-ce qui... Eh bien, c'est ce que je vous dis. On a été mandaté. Les astres ont fait que, à un moment donné, pouvez-vous nous dire les circonstances exactes du mandat ? Exact, exact ? Oui, exact. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'à un moment, j'avais un Ordo, et puis où est Ordo, finalement ? Le vrai Ordo. Ah, ben alors Ordo. Et puis, c'est quoi votre nom, finalement ? Ah ! Alors, on va procéder par Ordo. Oui, je vous écoute. Je suis Clodomir. D'accord. De Cuivrechamp. D'accord ? Mm-hmm. Et j'ai trouvé Maître Ordo sur un arbre perché, mais par le cou. Pendu, c'est ça ? Voilà. Il me semble qu'il avait des viscères qui sortaient aussi du... Donc pendu et éventré. J'en ai déduit qu'il avait fait une mauvaise rencontre. Et nous l'avons vengé. En le descendant pour l'inhumer, parce qu'on ne laisse pas les gens pendus aux arbres chez nous, on a vu qu'effectivement, il avait un ordre de mission et une broche qui lui permettait de rendre la justice. On s'est dit que ça serait quand même pas mal d'essayer de venger et de respecter sa mémoire. Garnier dit, je suis obligé de vous avouer la vérité, monseigneur, c'est que quand on est arrivé à Rideau, quelqu'un a accusé Ordo Clodomir de sorcellerie. Alors elle dit, vous êtes sorcier ? Non. D'accord. Encore une fois, j'ai appris la magistrature. D'accord. Et donc, vous avez pris le rôle d'Ordo, c'est ça ? On a endossé, effectivement, ses prérogatives. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire de vous ? Nous remercier, c'est quand même la moindre des choses. Pour avoir pris, on va dire, comment ça s'appelle ? Vous avez usurpé l'identité et la profession d'un... Mais si je peux me permettre, Seigneur. Oui, Nicolas, je vous écoute. Si notre cher Clodomir n'avait pas endossé et pris ses responsabilités et porté haute les valeurs d'Ordo à travers les villages que nous avons, explorés, c'eût été ces deux bandits qui ont d'ailleurs tenté de nous tuer, les deux meurtriers d'Ordo, qui auraient récupéré peut-être sa broche et son ordre et qui auraient semé la pagaille dans vos terres. Ce que nous avons fait, c'est respecter vos valeurs. Les valeurs qui auraient arrêté Caldera aussi. Exactement. Vous. Puisque même Garnier n'était pas en mesure d'ailleurs, de le faire. Garnier prend votre défense et dit, bien qu'effectivement, normalement, il aurait fallu les pendre. Je vous demande la clémence parce que, bizarrement, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas claires, mais il y a eu quelque chose d'assez loyal vis-à-vis de notre fief qui a été fait. Le Seigneur dit, vous avez quand même pris 15 écus à Dame Hermans, à Arance. Vous allez bien entendu les donner à la Seigneurie du Rideau. Ben, on les a portés avec nous ici. On n'a rien dépensé, que je sache. Voilà, c'est Nicolas qui les a donc, mis. Vous les donnez, c'est ça ? Ah oui. Il y a quand même des faux frais. Hein. Il a fallu s'acquitter de deux, trois trucs en route. Écoutez, il y avait des petites notes de frais en chemin, mais globalement... Est-ce que Ordo était quelqu'un d'efficace dans son travail quotidien ? Écoute, C'est-à-dire aussi efficace que nous. Vous le connaissez depuis un moment. Oui, depuis 20 ans. Il était efficace, mais vous êtes curieux à poser des questions. Je suis très curieux de son travail. Je vous dirais que notre ami Clodomir fait un bien meilleur Ordo que votre ancien Ordo. C'est vrai, c'est pour cela que je pense que Garnier ne vous a pas tué immédiatement et que je ne vais pas forcément vous pendre, mais je réfléchis à quelle punition créative je pourrais... Une punition, allons. Écoutez, buvons un verre tous ensemble. Nous avons une chariole pleine de trésors dans la cour et vous pensez à nous punir ? D'accord.
Je trouve que vous êtes très efficace pour mentir. Et je vous propose de... J'ai pas envie qu'on travaille ensemble. Okay, je vais pas vous prendre comme juge parce que vous mentez, d'accord. Mais néanmoins, des bons menteurs, c'est toujours utile. On n'a pas menti, mais bon... Vous savez, dans la justice, vous savez calculer aussi, mensonge. Ou pas? On sait calculer? Oui. Non. Oui. Oui. Je sais pas. Est-ce que vous calculez 10% de 200? Rapidement, est-ce que je peux avoir un parchemin pour poser le calcul? 10% de 200, oui, c'est... Oui, oui. Ça fait combien? Ça fait entre 15 et 25, je crois, à peu près. Ouais, plutôt 10. Plutôt 10. Ouais. Bon, vous me décevez, mais bon, ça fait exactement 20. Ah. Alors, on y était. Ça doit être les unités. On y était. Bon, Garnier, vous allez leur expliquer mon petit problème. Et vous allez rendre un petit service à Garnier. Et on sera quitte. Ça vous va? Et je garde les 15 écus. Alors, et, peut-on avoir le... Oui, quelle est la nature du service? Quel est le pitch? Alors, de toute façon, c'est soit vous rendez le service, soit je pends Julia, déjà, et vous, le sorcier, on te jettera dans l'eau, et puis... Je ne suis pas sorcier. Je suis magistrat. D'accord. Ne pas confondre. Mais le service, on l'a déjà rendu à Garnier, puisqu'on a fait, en fait, son travail. Oh, s'il vous plaît, taisez-vous. Et il vous met dehors. Okay. Alors, Garnier dit, écoutez... Vous en êtes plutôt bien tiré parce que il est assez caractériel. Voilà. Je vous expliquais, c'est quelque chose de très simple qui peut en plus vous rapporter de l'argent. Donc, juste au sud de Rideau se trouve une grande ville qui s'appelle Aria. Ok. Donc, venez, toi. Je me méfie toujours des missions très simples. Non, c'est extrêmement simple. Vous allez. D'autant plus. Le royaume d'Aria lance une croisade. Absolument inintéressante. Et il a réquisitionné 10% de nos hommes, ce qui correspond à 20 hommes, pour joindre cette croisade. Et nous, on n'a pas les moyens parce qu'on défend les frontières ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un casque comme le mien. Vous allez vous présenter à la caserne royale d'Aria. Vous allez dire que vous êtes la troupe envoyée par le rideau et que vous avez été attaqué par des bandits sur le chemin et qu'il ne reste plus que vous, que vous ne pouvez pas les servir. Voilà. Et puis, ils vous donneront une petite compensation financière. Et nous, on sera quitte par rapport à cet engagement. Puisque vous savez mentir, oui. C'est un peu le métier idéal pour contre, nous. Je pense qu'on risque peut-être de se faire embarquer dans une vie de soldat, de mercenaire, ce qui, en l'état, serait pas vraiment une très bonne situation pour nous. Donc, On sait contre qui on part en croisade là, contre l'état. Mais vous partirez même pas en croisade. Vous n'êtes pas des soldats professionnels. Vous allez arriver avec juste un casque. Vous aurez même pas d'armure et d'armes. Et donc ils vont pas vous prendre. Garnier, peut-on vous croire? Bien sûr, j'ai pris votre défense. Je n'ai pas de moyen de vous le prouver, mais sur mon honneur, j'ai beaucoup de sympathie pour vous et j'aimerais que vous réussissiez. Kétra, t'as envie d'une nouvelle vie de Kétra, ça serait le moyen d'abord bataille. Faire TH. Hein, parce que... De soldat. Non, et j'irai même plus loin, essayer. Je vais vous donner un denier pour vos frais de voyage. Allons-y. C'est trop gentil. Monsieur est trop bon. Alors, je vais vous dire une dernière chose avant que vous quittiez la forteresse du Rideau. Vous allez traverser une forêt. La forêt de Sauvagny est dangereuse. La forêt de ? C'est la forêt de Sauvagny. Elle est dangereuse et ancienne. Il y a des bêtes sauvages, d'autres choses, des araignées géantes, d'accord, des choses magiques. Mais il y a un chemin qui est complètement sûr pour aller à Aria. C'est celui qui longe la rivière, le parcours. Okay. Donc, de temps en temps, le chemin, vous allez avoir des bifurcations. Vous pourrez aller à gauche ou à droite. N'allez jamais à gauche. Vous allez tout le temps à droite, d'accord ? Ne pas aller à gauche. Vous, la bûcheronne, là. Pardon. Répétez. Je ne vais pas à gauche. Mais j'ai compris, vous n'avez pas besoin de me dire. Répétez-le. Ça. Répétez-le. Je ne vais pas à gauche. D'accord, très bien. Donc, ne allez pas à gauche. D'accord. On ira à gauche. On est plutôt des gens qui allons à droite, en général. En scope national. Je vous souhaite bonne route. Et on vous met en dehors de la forteresse du Rideau. Mais vous êtes dans le village du Rideau. Où il y a des gens, il y a toute une vie, auberge, taverne, marchand. Ah enfin, non, on allait faire un peu la fête. Ah, on a zéro thune là. Ah non, vous avez quelques deniers. On a récupéré quelques deniers. On a un œuf et on a des chaînes en or, je vous rappelle. Oui, oui. Moi, on va les vendre à Aria avant d'aller. Alors moi, j'en ai regardé quelques-unes parce qu'elles me vont bien. Mais bon, on peut en vendre quelques-unes. Ah non, vous avez zéro chaîne en or, rêvez pas les mères. Est-ce que. On a l'œuf ou pas? On a l'œuf. Vous avez tous gardé l'œuf. Est-ce que, c'est peut-être un peu trop demandé, mais y a-t-il moyen, mon cher Garnier, avant qu'on se sépare, d'aller visiter votre bibliothèque? Ah non, ça, il faut le demander explicitement au Seigneur du Rideau. Et je pense que vous n'êtes plus... Oui. Mais si vous revenez avec mission acquittée, pourquoi pas?
Je précise aussi que c'est les moments de faire un adieu à Julia. Julia. Mais pourquoi elle viendrait pas avec nous? Déjà parce que le Seigneur du Rideau veut la garder. Ok. Et ensuite, elle va travailler pour le Seigneur du Rideau. Mais peut-être nos chemins se croiseront à nouveau. Bah, de rien, Julia. En tout cas, écoutez, elle a failli nous griller quand même, hein, mais merci, Julia. Bah non. Personne de bonne volonté. Oui. Bon. Donnez-nous des nouvelles du village aussi. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut aller boire un coup pour faire le point, mais boire un coup? Alors, il y a une taverne auberge qui s'appelle le Faisan Doré. Oh, bah allons Faisan Doré. On y va. Je pourrais même peut-être récupérer une plume. On a gardé nos chevaux, hein. C'était les nôtres. Oui, c'était les nôtres. Donc. Non, mais ils n'appartenaient pas au Seigneur du Rédonien. Alors, tout personne ça, n'a encore chevauché, hein, je vous signale. Mais. On a 8 chevaux. Alors, non, c'est pas 8 chevaux, 4. Il y en avait, dans la bande de Kader, il y en avait 8. Oui, mais on en a pris 4. On ne va pas prendre plus que ce dont on a besoin, en fait. C'est vous n'avez pas l'air du loup, mes amis. Bon, alors, allons Faisan Doré. C'est ma tournée. Allez, c'est ma tournée. C'est ma tournée sur les deniers collectifs, mais c'est ma tournée. Alors, de la bière pour tout le monde. Et si on trinque. À la vôtre. Comment ça s'appelle? Moi, j'aime bien quand on trinque. La taverne est tenue par un certain Orilam. Et Orilam pose les bières sur votre table et vous dit, c'est moi qui offre. Oh, bah incroyable. Grand prince. Ouais, moi, je crois pas au cadeau. Mais... Écoutez, effectivement, vous avez raison de ne pas croire au cadeau parce que j'ai un petit service à vous demander parce que j'ai cru entendre. Ne buvez pas, recrachez ce que vous avez bu. J'ai cru entendre. Attendez, je suis content que vous allez à Aria. Oui, on va à Aria. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Ma fille, elle vit à Aria. J'ai besoin que vous lui transportez un petit colis. Et si vous l'apportez, elle vous donne un petit sou. Petit ou... Tout petit, il est là. Il le sort et c'est vraiment un petit colis qui est comme ça. Il est blanc, alors, il est enveloppé. Orilam, que contient ce colis? Nous ne transportons pas des choses... Alors, comme vous pouvez le voir, je suis aubergiste. Oui. Et ce sont des petites épices pour ma fille qui s'appelle Gourmandise. Tout à fait. Les épices. Ça s'appelle comment, ça fait Gourmandise. Et elle vit à Aria. Gourmandise. Donc, est-ce que vous voulez prendre le paquet? Oui, par contre, je te demanderais, avec ton nez affûté d'alchimiste, peut-être de renifler ces épices. Moi, j'ai un doute. Kétra, vous êtes bien tranquille. D'ailleurs, on va transporter des substances. Déjà que tu travailles avec du toum. Attendez, j'allais sortir pour la prochaine fois. Notez-le dans votre checklist de quête. Aria, donnez... Voilà. Je pense que les épices, à mon avis, ne sont pas que pour la cuisine. Est-ce que vous voulez... Alors, vous passez un bon moment ensemble à la taverne. Tu fais un jet de... Ah, tu veux identifier? Oui. Je voulais identifier. Vas-y, Ronif, identifie. Et tu as un petit malus de 10, de 10 points pour, parce que tu dois la renifler à travers des... Voilà. Va-t-il réussir? On est un jet à serrer. Et c'est bon. Voilà. Je suis bien en dessous. Tu es bien en dessous? Tu es combien? Je suis à 34 sur 60. Très bien. Effectivement... C'est ça l'odeur d'épices et tu sens que s'il y avait un plat qui avait cette odeur-là, tu ne serais pas contre le manger. D'accord, très bien. Bon, écoutez, pour quelques deniers, allons-y. Oui. Est-ce qu'on a des infos pour la retrouver, cette gourmandise? Parce que la ville d'Aria me semble être une cité assez imposante. Alors, il dit, elle est cuisinière. Génial. C'est un peu léger. C'est une très bonne cuisinière. Je pense c'est que si elle travaille dans une taverne. C'est vous le nom de l'établissement? Non, je suis désolé, mais je pense qu'avec son talent, elle doit vraiment être dans une taverne une des meilleures tavernes de la ville. On demandera qui est gourmandise. Est-ce que vous avez une description physique de votre fille? J'imagine. Oui, alors attendez, elle est. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait des cheveux noirs et courts. Elle a un nez plutôt pointu. Très bien. Et elle a un petit accent. Un accent de quelle région? Un accent d'Aria. Bon, on fera notre possible. Très bien, ça lui fera plaisir et je vous remercie. Puis ce sera ma tournée quand vous reviendrez. Merci. Ah, quand on revient en plus? Ouais. Si un jour c'était on revient. C'était déjà la tournée et ce sera encore plus tard. Nous reviendrons, bien sûr. J'en profite de notre temps libre. Je voudrais en fait déterminer ce tomb et savoir si on peut faire autre chose que se détendre avec. Est-ce que je peux en faire une potion? Oui, donc tu peux faire un jet d'identification. Ok. Sur 60. Tu penses qu'on peut faire une potion, mais tu sais pas quoi. Tu veux tester de faire une potion? On va le fumer. Bah oui, teste. Est-ce qu'on en fume une partie? Là, tout de suite. Bah écoutez, c'est là. Dans la taverne?
Est-ce que c'est légal de fumer du toum ? De fumer du toum. Ça, j'en sais rien. Oh bah écoute. Dans la taverne, je ne sais pas, on peut faire ça sur la route. Dans la non, rue, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Écoute, attendons d'aller dormir dans une auberge et puis on se fait un dernier. Une auberge sur la route, je pense. Ouais. Ils seront moins regardants par rapport à la législation. Bon, je garde mon toum, mais à un moment, je tenterai de faire des trucs avec. Une petite potion, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Est-ce que vous sortez de la taverne ? Il y a un marchand qui vend diverses choses ou vous pouvez prendre la route ? Alors, moi, je suis assez intéressé aussi par l'histoire de notre ami l'homme au chameau qui recherchait, on le rappelle... Oui, le tombeau du roi. La tombe du roi des rois. Oui. Est-ce que cet homme est encore dans le village ? Fais un jet de perception. Okay. Il s'est fait jeter méchamment quand même par le seigneur du rideau. Hein. Il a l'air relativement chafouin, de toute façon. Oui. On dirait un peu William l'émergé. Bref. Je vous cache pas, les amis, que ma vue est un petit peu brouillée. Les rois sont capricieux. Oh, c'est un excellent. Magnifique. Excellent. Vue de ouf. Alors, effectivement, Atlan est au milieu du village et dit « Ouais, mieux ça. » Et à un moment, son regard perçant, et particulièrement chanceux aujourd'hui, voit sur le sol des traces qui correspondraient aux sabots de la bête du démon, avec le chameau, et qui part vers le sud. Donc... Il va vers Aria. Donc si vous courez assez vite ou que vous galopez assez vite, peut-être vous retrouverez... Alors la question, c'est est-ce qu'on les court après ou est-ce qu'on dort à l'auberge ? On ne va pas dormir, non, on va partir. Ah non, on part direct avec lui. J'aurais pas autant bu si j'avais su. Par contre, le marchand, peut-être. Oui, le marchand. On a des chevaux. Oui, mais peut-être qu'il y aura des chevaux intéressants. Non, mais si on peut acheter quelque chose. Ah, le marchand. Le marchand. J'ai compris, nous marchons. Alors allons voir le marchand, puis après chevauchons les chevaux. Chevauchons les chevaux. J'ai un marchand avec le marchand, puis chevauchons les chevaux. Alors, le marchand s'appelle Firiel. C'est une marchande. Très bien, bonjour Firiel. Et Firiel vous propose un petit pack, parce que pour un pack spécial Traversons la forêt, qui contient un sac à dos, une corde, deux torches, une pelle, quatre couvertures pour 2 deniers. Parfait. C'est donné. Il n'y a pas de surprise dedans, ça, quand ça s'ouvre, ça ne fait pas de... Ouais, mais elle le dit avec un tel enthousiasme que vous avez... On est convaincus. 2 deniers. Attends, 2 deniers, c'est vachement cher. C'est cher, c'est vachement cher. D'un côté, il est hyper content, et d'un côté, c'est trop cher. C'est hors de prix. Ça, c'est pas complet quand même, non ? C'est un village qui a un grand standing. Est-ce que vous pouvez nous répéter, Firiel, ce qu'il y a dans le pack ? Il y a un sac à dos qui est de grande contenance. Très bien. Dedans, il y a une corde, 2 torches. Une pelle et 4 couvertures, ce qui est bien puisque vous êtes 4. En gros, c'est pas un pack spécial pour vous, c'est un pack qu'elle a fait parce que vous étiez 4. Une sorte de starter pack de l'aventure. Du randonneur. À 2 deniers, alors moi je marchande. Combien avons-nous de deniers, marchandes ? Alors combien avons-nous de deniers ? C'est la grande question. Ils sont là, vos deniers. J'ai aucune c'est idée. Tout ça, chaque pièce est un denier. Hein. Ouais. Ok, donc actuellement nous possédons 2, 4, nous possédons 6 deniers. Négocions. Un denier et une pièce de fer. Tu as mentir convaincre, vas-y. Oui, exactement. C'est sur ta colonne de gauche. Exactement. Je ne mets pas la pression à Atlan, mais moi j'ai réussi quasiment toutes les initiatives ces derniers temps. Je suis dans une bonne veine aujourd'hui. Regarde. Ah. C'est perdu, 83. Hors de question. Très bien. C'est ça ou rien. Très bien. J'ai tenté de négocier. Vous achetez ou pas ? Allez, attendez. S'il vous plaît. Non. T'as raté ton jet, hein. S'il vous plaît, la peine. On a quand même sauvé votre village. Vous allez pouvoir refaire. Ah non, c'est la peine de sauver le village. Mais si, on a sauvé un village annexé au vôtre. Ah non, mais c'est pas la peine d'insister. Vos affaires vont devenir plus prospères grâce à nous. Hélas, malheureusement, vous avez raté votre jet. Vous n'êtes pas convaincant. Très bien. Je vous prends les deux deniers. Est-ce que je peux essayer de voler un pack ? tu veux voler ? On va se mettre bien. Je vous rappelle qu'on était bien dans cette ville. Est-ce qu'on ferait pas une diversion et... Ouais, non, mais je fumais. Les mecs, ils avaient 5000 pièces d'or dans le cœur. Ils sont en train de voler pour 2 deniers. Mais bon, bah, allez-y. Non, mais très bien, allez, on paye les 2 deniers. Bon, payons les 2 deniers. Notez que vous avez tout ça. Hein. C'est dur en affaire. Alors, attends, nous avons un sac à dos, 4 couvertures. C'est Atlan qui va porter le sac. Alors, chacun prend. Oui, si tu veux. Chacun prend une couverture. Moi, je prends une couverture. Donc, notez vos possessions, les amis. Une couverture. Un sac à dos. Qui prend les cordes ? Kétra, je le vois bien. Une corde. Il y avait des torches. Oui, il y avait des torches. Je veux bien prendre une torche. Il y avait 2 torches, je crois. Une torche. Oui. J'en prends une. Okay. Allez, alors que moi, on prend une torche chacun. C'est un cadeau tout, de bonne contenance. Il y a une pelle. D'ailleurs, j'ai mis l'œuf dans le sac à dos. D'accord. Oui. Je fais très attention quand même. Je l'enroule dans le drapé de satin qu'on a récupéré. Non, mais l'œuf, je le garde. Ah, c'est vrai ? Mais tu es sûr ? Parce que ça casse quand même. Non, comment tu vas transporter comment ? Ça va gêner. Là, on a un sac à dos. Ouais, mais non. Je n'ai aucune mauvaise intention vis-à-vis de cet œuf. Il est à nous.
Oui, tu es bien suspicieux, Clodomir. Gardez votre œuf, Clodomir. C'est pas de la suspicion, c'est simplement de pourquoi essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Je le porte depuis le départ, personne ne me demande rien. Très bien, Clodomir, très bien. C'est louche. Je commence à m'attacher c'est à louche, cette... C'est louche, cette... Par contre, tu peux prendre la pelle. Non. Non, Kétra la portera, elle a plus de force que moi. Pelle et cordes, torche, sac à dos. C'est très bien. Et couverture pour tous. Mais pourquoi vous ne mettez pas tout dans le sac à dos? C'est trop lourd. Parce que c'est lourd, d'accord, il est fragile. Ok. Vous êtes à cheval, mais bon. Oui, mais le sac à dos, je peux pas le poser sur le cheval. Je suis obligé de garder sur le loot, Claude Mire. Non, une couverture, une torche. Ah non, mais je parle plutôt de l'œuf. Oui, bon, bah ça, voilà. C'est... Donc, c'est un petit sentier. Juste pour l'information, c'est un petit sentier. Je voudrais savoir. Non, un petit sentier, vous pouvez pas cavaler de front. Donc, il y a forcément un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Je voudrais savoir quel est votre ordre. Si l'ordre n'a pas d'importance, je le sais. Gladiatrice en premier ? Parce que l'odeur aux gladiatrices. Bonjour. Atlan derrière. Oui, ça ne me dérange pas. Nicolas en troise. Tu fermes la barre. Je ferme. Pas de soucis. Vous fermez avec l'œuf. Avec l'œuf. Nos potions les plus précieuses, vous êtes les derniers. Je refuse. Ah, précieux, on n'en sait rien en fait. Je vous mets en troisième, Clodomir. Ok, très bien. Je ferme. Ok. Fais-moi un jet de réflexe. Ah. Juste le réflexe de chercher les dés, déjà, était long. Il est pas mal en potion, par contre, en réflexe, je l'ai jamais vu vraiment briller. Non, mais moi, il faut. Alors, si, il a évité la fillette qui est tombée. Attention. Ah, et c'est 0,7. C'est magnifique. 0,7. C'est fantastique. Un félin. Alors, genre de ping-pong. Shikitsune. Shikitsune, ouais. Qui compte avoir sa revanche et qui veut même agresser Clodomir, avait le projet particulier d'arriver dans le dos de Clodomir, en quelque sorte, puisqu'il est à cheval, de couper sa selle et de faire en sorte qu'il se fasse écraser par son propre cheval. Mais, évidemment, il ne ferme pas la marche, Clodomir. Il y a d'abord Nicolas. Et quand Nicolas voit Shikitsune passer à côté, il lui donne un petit coup et il tombe dans le parcours. Il tombe dans le parcours. Il tombe dans l'eau parce que la truc longe l'eau. Donc, vous manquez d'expérience, je l'avais dit. Il a comme des réflexes, il t'a un peu sauvé la vie. Est-ce que Shikitsune dit à l'aide, et puis vous le laissez. Enfin, vous pouvez aussi. Pardon. Est-ce qu'il n'aurait pas laissé quelque chose par terre avant de plonger se ramasser pour nous rappeler. Non, il a sauté dans l'eau avec sa dague avec laquelle il comptait trancher les tendons du cheval. Shikitsune, on l'aiderait. Alors, moi, je m'arrête et je le regarde passer dans l'eau. Voilà. Très bien. Et je le salue comme on salue les gens à Malbouzon. C'est comme ça qu'on salue. Voilà. D'accord. Très bien. À la prochaine. Adieu, Shikitsune. Le long voyage vers le sud commence. Le chemin de terre bordé de fougères dorées longe le cours puissant du parcours. Ah, des fougères dorées. Tu veux t'intéresser aux fougères dorées? Ah oui, ce qu'il décrit. Ah ben complètement, bien sûr. Vas-y, identification. Pas très commun quand même. Ben, complètement. Attendez, des fougères dorées, évidemment que ça me botte. Voilà, c'est magnifique. 19. Ah, mais tu reconnais cette fougère, c'est du Mérilia. C'est du Mérilia. Tu vas probablement faire peut-être des potions de soins avec. C'est ce qu'on faisait en tout cas dans ton pays. Mais attendez, j'en coupe une bonne poupée. Tu manges ta touffe. Rajoute un petit peu de toum dedans pour un effet apaisant et décuplé. Alors du coup, je récupère quoi? Une quantité? De quoi faire une potion. D'accord. Mais la potion sera faite un peu plus tard. Oui, de toute sûr, façon, bien il sûr, te faut aussi des fioles vides. Mais il me reste deux, des fioles vides. Le chemin de terre borgé de fougères dorées longe le cours puissant du parcours, ses rapides, ses cascades assourdissantes et des arbres vénérables au tronc énorme et couverts de mousse. La canopée est si dense que le soleil pénètre à peine et vous avez un petit peu froid. Des couvertures. Vous arrivez à un croisement et vous pouvez aller soit longer le parcours, soit aller vers la gauche. Il nous a dit de toujours longer le parcours. On n'est pas censé aller à gauche. Jamais. Mais c'est tentant. Juste, je regarde. Est-ce que je peux faire un jet de perception sur le chemin de gauche? Oui, vas-y. Non mais des fois les gens sont overprudents, je veux dire. C'est vrai. Non mais, il n'y a rien de mal à jeter un coup d'œil au chemin interdit. Oui, enfin il n'avait pas de, il n'avait pas d'intérêt à nous. Non mais que pourrait-il nous arriver de mauvais? Je veux dire, je jette un coup d'œil, ça va. Ah bah, les araignées géantes. Donc, 55. Ah, c'est bon, sur 65. 55 sur 65. Tu regardes et tu vois effectivement qu'à gauche, la forêt est quand même beaucoup plus sombre. Mmh. Oh, restons sur la Moi je ne suis pas trop d'accord pour aller à gauche. Non plus. Un vieux proverbe dit pourtant « Vie tranquille n'apporte point la richesse ».
C'est un pro. Mais attendez, on va pas. La suite du proverbe, c'est. La gauche, alors qu'il nous a dit ne surtout pas aller à gauche. Écoutez, la beau proverbe. La prise de risque, parfois. C'est un proverbe bien pratique, Athlon. Oui. Moi, je rappelle qu'on était supposé ramasser, enfin, rattraper Moussa et Aladdin. C'est vrai, c'est vrai. On est un petit peu pressé. Est-ce qu'on peut regarder si les pas des chameaux. J'ai de perception. J'ai de perception, bien sûr. Alors, ce qu'on fait, on envoie Kétra sur la gauche. Oui, bien sûr. Tandis que nous. Zéro. Alors, l'œil hyper avisé de Claude Mire, il stop, regardez. Et puis, en fait, il voit que parfaitement les empreintes de chameau de Claude Mire longent la rivière et ne vont pas sur la gauche. Ouais. Continuons à droite, mes amis. Vous continuez. De toute façon, c'est Kétra qui ouvre la marche. Et d'ailleurs, vous arrivez à un autre croisement. À nouveau, le chemin va vers la gauche. Et à nouveau, le chemin continue. Mais le jet fantastique de Claude Mire vous fait remarquer deux choses. Premièrement, il découvre une mousse un petit peu étrange et noire sur le bas-côté du chemin qui pourrait intéresser l'alchimiste. Que tu peux identifier. C'est le paradis du, si de la plante. Dans une forêt, c'est le moment c'est jamais. Hein. Moi, je ramasse tout. Je prends tout. Mais j'en fais de l'or. Ah, 70. Non, je ne suis pas bien. 70. Alors, tu peux ramasser de la mousse noire, mais tu ne sais pas ce que c'est. Ok. Et autre chose, puisque tu as un œil très, très avisé, tu vois que tu lis complètement comme si on était dans un jeu vidéo. Le chemin parfait du chameau. Et tu vois que votre ami Moussa a un peu hésité. Et il est parti sur la gauche. Il a bien fait. Je pense qu'il a conscience, mes amis. Alors, en même temps, c'est un immigré. Atlan et moi, on voudrait. Non, c'est un voyageur. Oui, c'est comme ça que vous le dites. Mais bon. En même temps, si on part sur la gauche, c'est pour le sauver. Hein, parce que je pense que là, il se fait déjà dézinguer. Il a juste dit, n'allez pas sur la gauche. Il n'a pas dit ce qui nous attendait sur la gauche. Il a juste dit. Il a dit que c'est une forêt très, très dangereuse. Il est sur ce chemin. Il est, disons, milieu d'après-midi. En fait, c'est la forêt de Savani qui s'offre à nous, là. C'est la fameuse forêt de Savani qui est de. Le Sauvani, qui est de l'autre côté du. Et ses araignées géantes. Et ses fantômes, par exemple. Et ses fantômes. Bon, bah. Foutu pour foutu. Ah, moi, je voulais qu'on le rattrape parce que déjà, c'était un homme à qui on s'est très bien entendu. C'est vrai que c'est dommage de ne pas le rattraper. Ensuite, il est peut-être en danger. Effectivement, ce tombeau des rois. Alors, on fait quoi? On est les bons samaritains? Allons-y gaiement. Vous faites un vote main levée, peut-être? Qui veut aller à gauche? Que ceux qui veulent aller à gauche lèvent leur verre et trinquent avec moi. Je trinque pas. Tu veux pas lèver? Désolé, Kétra. Elle sait parce qu'elle sait que c'est des araignées géantes. C'est ça, parce que je suis la seule force de frappe, en fait, c'est ça. C'est sous-estimer ma magie, vous avez l'impression que je suis invincible, mais pas du tout. Hein. Vous gardez le même ordre, c'est-à-dire la galétrice en premier. Non. Non, du coup, tu vas le magistrat en premier. D'accord. Là, je suis redevenu magicien. Ok. Donc, la forêt est sombre. Est-ce que je peux allumer une torche? Non, elle n'est pas sombre à ce point-là et vous n'êtes pas encore dedans. Donc, vous y allez, dites-moi juste l'ordre. Alors. Attendez. Tu refuses d'être devant, on est d'accord. C'est sympa pour la gladiatrice, mais ok, moi j'ouvre la marche, ça me dérange pas parce que. Tu refuses d'être devant. Pour moi, je suis pas d'accord avec ce plan là. Kétra, Kétra, des richesses. Mais Kétra, il faut aider les gens. Oui, c'est vrai qu'il faut aider. En plus, c'est comme Kétra. Si t'avais un problème avec Akaba. Bon, dites-moi juste qui est en premier, qui est en deuxième, qui est en troisième, qui est en quatrième. Je dirais Atlan parce qu'il a une arme. Je passe en premier. Atlan et Atlan, ensuite. Ensuite, moi je me mets en deuxième. Une épée. 3, 4. 3, 4. Très bien. Et Chiquitouné réapparaît. Vous repartez, contrairement aux avertissements qu'on vous a dit, n'allez pas à gauche, n'allez pas à gauche, n'allez pas à gauche, vous allez à gauche. Vous partez à gauche. Je sens qu'on va le regretter. Je sens surtout qu'Etra va dire, je vous l'avais dit. C'est ça, ses dernières paroles. Dans le pays mystérieux de la forêt de Sauvani. Ok, donc on a du circuit. Charmant. La nuit tombe. Le froid aussi. Je vous rappelle que c'est un raccourci vers arrière, la forêt. Les buissons bruissent et au loin, des hurlements inconnus de bêtes sauvages. Vous dites, ça va être compliqué de passer la nuit là, surtout que là, vous êtes bien enfoncé dans une forêt inconnue et le sentier se fait de moins en moins visible. Quid des traces de chameaux? Plus trop visible. Mais vous voyez non loin les murs d'enceinte blancs d'un monastère à moitié écroulé. Est-ce que vous voulez vous arrêter devant ou est-ce que vous voulez continuer le voyage? Un monastère à moitié écroulé et dans une forêt avec des fantômes. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Super. Moi, je dis allons vers le monastère, c'est peut-être mieux de dormir
À l'abri. À l'abri, au milieu de la forêt sauvage. Que dormir au milieu de la forêt. Bah oui. Alors, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Vous approchez tout du moins du monastère. Le monastère fait une cinquantaine de mètres de large. Semble de structure carrée. Vous me direz si vous avez envie d'en faire le tour. À part qu'il y a un coin qui plonge dans un marais. Le mur fait 3 mètres de haut. Et la porte est fermée. Elle est en chêne ancien, très ancien, mangé par la mousse. Ok. Donc là, techniquement, on ne peut pas rentrer dedans. Bah, la porte est fermée. Après, vous n'avez pas fait grand-chose pour tenter de l'ouvrir. Oui, on peut escalader le mur aussi. Bah, on va faire le tour. Ça se trouve, il y a une porte de service. Alors, vous faites le tour du monastère. Et y a un côté que vous ne pouvez pas voir, parce que à moins que vous vouliez aller dans le marais. Mais en gros, les trois quarts, il y a ces murs en mousse. Ces murs recouverts de mousse. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Fais-moi un jet de perception. Mais bien sûr. 0,5. Clodomir dit... Attendez, regardez ça. Il trouve une petite porte, mais complètement dissimulée. Et vous dites, mais quoi, il y avait une porte là ? Et vous dites, mais c'est un magicien, c'est un vrai magicien, c'est incroyable. Il a fait 0,5. D'accord. Okay. Une porte, mes amis. Vous entrez dans le monastère. Je vous la fais rapidement. Premier pas dans le monastère. Donc, il y a une cour centrale où se trouve une grande statue. 8 petites cellules de moines, une cuisine, une chapelle et une autre plus petite chapelle. Dites-moi si vous voulez explorer. On garde la statue, savoir un peu de quelle religion il s'agit. Alors, Clodomir s'approche de la cour centrale où se trouve une statue. Donc, c'est un homme, a priori, qui a été décapité. C'est la statue d'un homme décapité ou la statue a été décapitée ? Alors, ça représente un homme décapité ? C'est trop compliqué, c'est trop ancien pour dire. D'accord. Mais en tout cas, c'est un homme qui est debout, ouais. Qui aurait pu être un homme en train de combattre, mais on lui a coupé la tête. À ses pieds se trouve une sorte d'amulette ou de talisman. C'est quelqu'un l'a déposé là. Je fais un petit jet de percep. Vas-y. C'est quoi ton truc ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Pour voir s'il y a un truc magique. Je crois que ouais, vas-y. Bien sûr, car en reconnaissance des secrets, 70, donc, 13. 13 ? Miraculeux. Alors, vous êtes en bonne forme, Claude de Mire, aujourd'hui. Tu ne vois pas de magie particulière sur ce talisman. Néanmoins, c'est plutôt de l'ordre de la religion. Et c'est quelque chose qui t'est un peu étranger. Est-ce qu'on garde ce talisman sur nous ? Nicolas, il y a un talisman. Bah oui. Tu prends ou pas, vu que tu prends tout d'habitude ? Moi, j'aime les porter, hein, c'est beau. Tu prends le talisman ? Allez. Est-ce qu'on risque pas quand même de déranger la quiétude de... Oui, mais regarde comme il va bien. Attends, tu l'as pas encore pris. Juste, je te décris un peu le talisman. Donc, tu t'approches du talisman, et c'est un disque qui est sur lequel il y a une sorte de croix, un X, on va dire. Est-ce que tu le prends ? Oh ouais, moi je le trouve joli, moi. Alors, je suis comme ça. Soyons un peu insouciants. Imaginons que ce gros dé soit le talisman. Est-ce que tu peux le prendre pour qu'on on la joue roleplay ? Alors. Il me va très bien. Au moment où tu prends le talisman, tu sens une douleur insupportable dans ta main. Et quand tu relâches ta main, tu as un X dans ta main. Oh. Et tu perds un point de vie définitivement. C'est ton nombre maximum de points de vie, hein, une limite de 1 de façon définitive. Donc je passe de 8 à 7. Okay, j'ai pas de trucs cool qui m'arrivent. À part avoir un tatouage. Alors peut-être y aura d'autres aventures qui vont t'arriver grâce à ce talisman, mais pour l'instant. Et tu le lâches bien évidemment, il tombe à terre. Mais pour l'instant, c'est les résultats immédiats. Est-ce qu'on peut le saisir à l'aide d'une couverture ? Pour éviter la malédiction. Tu veux tester ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où j'ai pris le talisman en main, j'ai même pas eu le temps de le poser autour de mon cou et pour m'admirer avec. Il m'a immédiatement brûlé la main. Ça m'a pris jusqu'à quasiment tout l'avant-bras. J'étais obligé de le jeter comme s'il m'avait brûlé. J'ai regardé et je suis marqué, je suis meurtri. Enfin, c'est quand même bizarre parce que j'ai fait un jet incroyable de perception et j'ai rien perçu. Ouais, bah c'est bizarre. Bah, moi, j'ai bien perçu pour toi avec la main, du coup. Voilà. J'ai une grosse croix. Voilà, autre chose avec ce talisman ? Un X marque l'entrée. Peut-être. Bah, du coup, c'est ma main l'entrée maintenant parce que j'ai un gros X dans la main. Est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le laisse ? Non, on va laisser cette chose. Ça va nous porter malheur.
Ah, tu le veux quand même? Bah, c'est avec l'autre main, éventuellement. Il y a une puissance quelque part dans cet talisman, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est très puissant. Alors, effectivement, je l'ai peut-être mal pris. Il pourrait nous servir si on est en danger un jour. Est-ce qu'on le prend avec la pelle et on le met dans le sac à dos? Bonne idée, Ketra. Qui le fait? Ketra. Voilà. Bah, c'est avec une pelle. Du coup, c'est avec moi. Dis-moi, je le fais ou pas? Avez-vous déjà vu une magie capable de se transmettre à travers un objet jusqu'à son successeur? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Clodomir, une magie comme ça, vu, mais c'est plus la magie de la foudre et ce genre de truc. Mais... une magie trop puissante, non, Ketra. Bon, Ketra, une pelle, un sac, boum, c'est réglé. Tu fais ou pas? Ouais, allez. Prends la pelle. Ok, juste pour... lance-moi les dés, si tu fais moins de 10... Non, excuse-moi, si tu fais plus de 90, malheureusement, tu manipules mal l'appel et le talisman va te toucher, mais vas-y. Ouais, dis donc. Il faut avoir plus de 90, ça va. Une chance sur... Bah, moi, chance je régale d'avance. 86 elle veut mettre le talisman, il tombe et tout le monde s'inquiète et non, pas du tout. Donc le talisman est au fond de votre sac maintenant. 89 hein. Faut pas mettre la main dans le sac là. Voilà, oui. Ah oui, mettez dans le sac. Hein. Ouais. D'accord. C'est très bien. Alors, il reste 8 petites. On est en train d'accumuler les merdes quand même. Je vous dire, il reste 8 petites cellules de moine. On les fouille. Une cuisine. Oui. Une chapelle et une autre plus petite chapelle. On se sépare? Non, tout. On va rester groupés. Oui, c'est pareil. Non, on va se grouper. Toujours pas de phrase de chameau, hein. On est je veux dire, dans un couvent désert et maudit, on se sépare. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Définitivement. Non, mais je propose d'aller faire un petit peu les cellules. Alors, les cellules. Elles sont côte à côte, les cellules. Tout à fait, elles sont côte à côte. Il fait jour dans ce monastère? Le soir tombe un peu, là, en ce moment. Bon, on allume nos torches ou quoi? Un peu tôt. Clodomir, il va allumer ses torches depuis tout à l'heure. Les torches. Tu vas allumer ta torche? Bah, j'allume ma torche. Bon, bah, Clodomir allume sa torche. C'est le bernard de la meilleure perception, je pense, de notre environnement. C'est bien. Alors, les 8 petites cellules de moines sont toutes identiques, donc je vais vous en décrire qu'une seule. Déjà, pour rentrer, les portes sont super petites. Genre, il faut rentrer de côté, tu vois. Voilà, donc, par contre, il n'y a pas de porte à fermer, c'est juste des ouvertures. Et il n'y a pas grand-chose, il y a des paillasses moisies et... rien, pas de livres, pas de d'accord, meubles, donc rien. On a beau fouiller, rien de... Rien, enfin, dans toutes les cellules. Vraiment rien, oui, dans les 8. Très bien. C'est okay. Un monastère relativement monastéré, je dirais. Ouais, c'est très monastère. Au calme. Alors, allons voir la cuisine. La cuisine, hein, oui. Qui ouvre la porte de la cuisine? J'ouvre la porte de la cuisine. Alors, ce Kefra a bien vu que personne n'allait se prendre un appareil. Dans ce monastère, vous ne touchez rien à main nue. Vous prenez des gants, vous mettez vous enroulez une couverture autour de votre main. Ketra, la CH, moi je n'ai rien à part mon talent et mes potions. Ou tu défonces la porte. Ketra ouvre la porte de la cuisine. C'était parfait. Et il y a la chose que tu remarques, c'est qu'on a tracé un cercle de sel sur le sol. Mais le fait que tu aies ouvert la porte, ça a un peu délié le sel, tu vois, ça a ouvert le cercle. Perception immédiatement, non, avant de... Ah bah oui, là, on perçoit, là. Vous percevez quoi? Vous cherchez des trucs? Bah vas-y, quelqu'un qui cherche. Soit il y a une Tesla, soit c'est des problèmes, hein, donc un cercle de sel. 35. 35. C'est très bon, encore une fois. Tu trouves une bouteille. Et c'est tout. Et quelques ustensiles de cuisine. Une bouteille non, mais par rapport au sel par terre. Tu vois un cercle de sel ancien. Il a été déplacé à cause du courant d'air. Et il présente quelque chose? Il représente un motif ou C'était un cercle. Je suis ravie d'être ici. C'est juste un cercle. Oui. Alors d'accord. On peut pas refaire le cercle bien? Vas-y, refais-le. Tu vois, en principe, un cercle de sel, ça sert à éloigner les démons. Oui. Bah oui. Donc en fait, on le refait de manière à ce que ça refasse un cercle. Hein. Oui. Voilà. Et il y a aussi une bouteille. Après, tant qu'on n'est pas dedans, plein, ça sert à plein d'un truc. Il y a un liquide dans la fameuse bouteille. Une perception, un jet de perception sur la bouteille. Identification. Ah oui. La perception, c'est pour trouver les choses. Alors, je vais déterminer. Je donne la bouteille à Nicolas. Je la tiens quand même, hein, parce que bon. J'ai mal à une main. Je rappelle que j'ai une main. 67 sur 60. Sur 60. Alors, il débouche la bouteille, il la renifle. Ah, c'est vraiment infect. C'est très acide. Mais tu sais pas ce que c'est. Ça pourrait être de l'acide. Il va avoir des points de vue là. Est-ce qu'on a mis dans le sac à dos qu'on a transformé en bombe ambulante? Le sac à dos, c'est une bombe ambulante. On garde. Par contre, je la garde, mais je la mets à côté du talisman. Très bien. Et on remet dans une couverture. On a une bouteille. Attends, tu mets dans ton inventaire que t'as une bouteille de. Oui. Bouteille de liquide dégueulasse. Un talisman marqué d'un X. Ah, ça j'ai marqué, ouais. M'a baisé la main. Alors vous entendez à l'extérieur de la grande porte une sorte de bruit qui fait ça. Vous débruitez pas un peu? Eh bah très bien. Non, j'ai pas compris. C'est quoi le bruit? Fais-le comme ça, là. Ok. Ah, comme un petit galop. Sur la porte. Sur la porte, ouais. Ah. Donc ça gratte à la porte, là. Ouais. Enfin, ça tapote à la porte, plutôt. C'est peut-être notre ami Moussa Aladi. Alors... Il reste encore
Une grande chapelle et une petite chapelle. Oui. Ah bah oui, on ira. Attendez, attendez, on fait quoi? On ouvre la porte ou on ouvre la porte? Attendez, 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 attendez. Kétra, vous sortez H, même si c'est des fantômes. Elles sont toujours sorties. On peut prendre la menace à revers en envoyant Kétra. Non mais. T'es la gladiatrice. Par la porte qu'on a découverte, de manière à ce que tu ailles. Pour prendre. Et s'ils sont 1 milliard? Tu observes, tu y vas de manière discrète, juste tu regardes ce qui se passe et tu reviens nous dire. Tu as combien de discrétion? Je suis pas très très discrète. Hein. Elle n'est pas très discrète. Qui est le plus discret d'entre nous? Okay, qui est le plus discret? Je suis moyen en discrétion. Je suis moyen. Moyen, moyen? Je suis moyen, moyen. Pile moyen? Non, moins que moyen. Moi, je suis trois quarts discret, moi. Ah bah, moi, je suis pareil. Pas mal discret. Attends, allez-y. Les mecs, ils... Moi, je suis plus discret que toi, quand même. C'est vrai? Bah, vas-y. Claude Amir. De toute façon, en plus, ça risque d'être, vu l'endroit, ça risque d'être une menace plus immatérielle que matérielle. Ah bah, du coup, les H de Kétra, là, pour cette situation. Sortez vos cartes, Claude Amir. Lance ton jet de discrétion. 39. Ah, 39. Claude Amir sort par la petite porte. Il va regarder la grande porte. Il n'y a rien. Voilà. Il revient et dit. Moi, je vous le dis, cette histoire-là. Il n'y a rien. Ça sent pas bon. Ouvre-la bien. Ça sent pas bon. Les gratons continuent? Pour l'instant, non. Bon, bah, on va visiter les chapelles. Ça devait être un gros chat. On visite les chapelles, ouais. Alors, il y en a une grande et une petite. Peut-être un chameau. On commence par la petite? Oui. Okay. Allez, commençons par la petite chapelle. Alors, c'est une chapelle de type délabré ou. Délabré. C'est une chapelle de la déesse Ina que vous connaissez, puisque vous avez réparé la. Et qui vous envoie une, finalement. Ah bah, elle est super, particulière. Elle m'en doit un point de vie, surtout. Alors, c'est un ex-voto très particulier que Atlan connaît, parce qu'il l'a déjà utilisé. Oui. Elle est toute petite, c'est presque une alcôve. Et c'est une chapelle, et c'est très rare, ça, on n'en fait plus, dédiée aux disparus. La légende dit que si tu pries, Ina, à, à cet endroit, et tu penses à quelqu'un pour lequel tu as de la bienveillance, que tu ne sais pas où il est et que tu t'inquiètes pour cette personne. Shikitsune, par exemple. Comme Cosmoflash. Cosmoflash, je ne sais pas. Qui vous voulez. Eh bien, vous avez une vision de lui et ça peut peut-être lui porter bonheur aussi. Alors... Moi, je fais une petite prière. On peut tous faire une prière? Oui, bien entendu. Intéressant. À qui tu penses? Ah bah, je ne dis pas. Ah bah, il faut que tu me le dises. Je suis obligée de le dire. Bah, bien sûr. Bah non, alors. Kiki, ton chat? Non. Moi, je vais faire une prière en pensant à mon majordome. Très bien. Alors, tu pries pour... Zlatko. Tu pries pour lui, Zlatko, effectivement. Et tu n'as aucune vision qui te parvient. Ce qui est mauvais signe. Ce qui est très mauvais signe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prier avant de passer à... Alors, je voudrais prier. Je voudrais prier pour mon professeur Ingramus, que je n'aime pas spécialement, car je sais qu'il me jalouse et qu'il jalouse mon talent. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait en ce moment. C'est plus du voyeurisme et de l'espionnage, en fait. Alors, effectivement, que... c'est un gros détournement. Ouais. Tu t'agenouilles et tu commences à prier. Et tu sens une horrible douleur dans ta main, au niveau de la croix. Ah, et tu perds un autre point de vie. Définitivement ou... Non, pas définitivement, celui-là. Je prie pour mon amie combattante, qui a combattu à mes côtés. Qu'on ne connaît pas, nous. Non. Tu peux nous dire son nom ou pas? Kaena. Alors, toi, tu te mets à prier. Effectivement, tu as beaucoup de compassion pour ton ami combattant, dont tu n'as pas parlé des gens, mais qui est très cher à ton cœur. Et tu penses qu'elle est morte, et en fait, tu as une vision d'elle. Tu la vois, qui regarde la mer, au sommet de ce qui semble être une île. Et tu es extrêmement bouleversé par ça, et vous la voyez très bouleversée, très émue, et vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, voilà. Donc, elle est quelque part dans le monde, sur une île. T'as vu ton tigre? Super envie d'en parler. Ok. On va faire une petite prière, peut-être. Moi, je vais prier pour mon maître. Juste comme ça? Oui. Parce que pourquoi pas? D'accord. Tu pries pour ton maître. Et tu as une vision moins émouvante, parce que tu n'as pas une relation particulièrement intime, mais quand même, de ton maître qui s'appelle Mélada, je crois, qui est à Vandermeer et qui est dans sa petite chaumière et qui est en train de s'occuper du feu. Voilà. Donc, tout va bien pour elle. Tout va bien. Non, je ne prie plus, moi. Vous voulez visiter l'autre la dernière chapelle? Il n'y a rien dans cette petite chapelle, il y a juste... Rien à voler, malheureusement. Rien à voler, mais peut-être des choses à voir. On va emprunter, hein. Alors, non, il n'y a rien à voler, rien à récupérer. Alors allons dans la grande chapelle. Au moment où vous ouvrez la porte de la grande chapelle, vous entendez à nouveau les tapotements sur la porte d'entrée. Le chat. Moi, je sens quand même une douille.
Je pense qu'à un moment, il va falloir régler cette histoire de tapotement. Dans... Moi, je ne vais pas dormir. Déjà, j'ai le sommeil très léger. Et j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Parce que la chimie, c'est très, très important. Si ce truc-là fait du bruit toute la nuit, je ne peux pas dormir, c'est insupportable. Donc, à un moment, il va falloir qu'on aille régler le truc. Hein. Bah, moi, j'y suis allé, mais il n'y avait rien. Ah, non, mais il faut qu'on ouvre la porte, porte d'un coup sec. Voilà. Bon, d'abord, on fouille la grande chapelle et après on verra. Non, il y a le bruit, il va disparaître le bruit sinon. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon, j'suis... bah j'y vais. J'ai pas peur des fois. J'ouvre la porte d'un coup. Il faut se bondir. Fais-moi un jet de force en enlevant 10. Non, en rajoutant. Attends. En enlevant 10 à ta force. Tout à fait. Donc c'est ta force multipliée par 5. Ouais. Et j'enlève 10. T'enlèves 10 parce qu'elle est bien coincée. Ok. C'est bon. 29. Alors, un peu excédée, elle la porte d'un seul coup et il n'y a rien derrière. Ok. Ça confirme l'hypothèse du chat. Ferme la porte, mais sans te retourner. Hein. D'abord, tu la fermes, après, tu te retournes. Referme la porte et vous entrez dans la grande chapelle. C'est une très grande, enfin, presque une mini-église qui dispose de bancs pourris et surtout d'un plafond décoré en dorures qui ne sont visibles qu'avec une bonne lumière, mais heureusement, vous avez votre torche. Donc, vous êtes en train de complimenter sur l'idée de la torche. Vous regardez, oh, les dorures, tout ça. Très beau. Et la décoration frappe l'alchimiste. Aha. Qui perd un point de... Parce que cette décoration tout en dorure montre un homme assis sur un trône et un dieu dont on a effacé le visage. Ça fait deux fois qu'on voit. Donne à cet homme une couronne, un orbe et un sceptre. Ah Chers amis. Donc un dieu sans visage. Tu recherches un sceptre, c'est ouais. Alors déjà... Il faut qu'on garde en tête, ça fait deux fois qu'on voit une représentation sans tête. On avait une statue dans l'entrée de ce monastère et maintenant cette peinture. Est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais ce sceptre. Donc là, effectivement, tu dis, oh, ça fait des années que je suis là, que je cherche ce sceptre et enfin je vois quelque chose. Enfin, pas des années, plutôt des mois. C'est le sceptre herméneutique. Exactement. C'est un sceptre mythique que je recherche et c'est celui qui me permettra de revenir à Kniga, mon école de chimie, et de retrouver mon honneur, puisque je vous rappelle que j'étais... C'est un commun accord, on s'est séparé avec l'école, mais bon, je suis pas parti dans les meilleurs termes après une deuxième avec cette attends. Donc là, sceptre que tu cherches. Il y a un indice. C'est en fait une image pieuse, un truc religieux. Non, là, c'est une représentation du sceptre. C'est une représentation du sceptre. Ah, pardon. C'est une représentation du sceptre herméneutique. Donc c'est peut-être un indice, il faut que je sache. D'où vient cette peinture? Donc, est-ce que je peux. Enfin, il existe. Donc le sceptre aurait été donné à un roi par un dieu. Par un dieu. C'est peut-être une métaphore. Auquel on a effacé le visage. Sans pression. Donc du coup, il faudrait peut-être aller chercher... Alors, il y a également dans cette chapelle un tabernacle, donc imaginez un petit coffre-fort cubique, qui a été vandalisé à l'extérieur. On voit qu'on a bien essayé de l'ouvrir, mais il est bien fermé par une combinaison à 8 chiffres. 8 chiffres. Voilà. Et il y a une autre statue, décapitée aussi, avec un texte, explicite écrit dessous, mais il faut que quelqu'un me fasse un jet en lire et écrire. Eh bien, je vais faire un jet. Qui est la meilleure personne pour lire et écrire? C'est toi, Claude Demir. Je crois que c'est Claude Demir, c'est le seul à savoir lire déjà. C'est encore une fois génialos. Génialos, Claude Demir. D'où vient cette expression? Génialos, c'est une expression de Malbouzon. c'est genre génialos, c'est comme ça pour dire voilà. Alors, je vais lire ce qui est écrit. De son royaume céleste vint le roi des dieux, et il donna trois miracles aux hommes, la couronne, l'orbe et le sceptre. Si les trois miracles étaient possédés par le même élu, alors celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté du monde. Alors déjà, on parle du roi des rois. En plus, on parle du tombeau du roi des rois. Exactement. Ouais. Notre ami on n'a pas vu notre ami Moussa. Moussa cherche le tombeau du roi des rois. Il y a ces trois objets, l'un des trois, je le recherche. J'espère trouver les trois dans le tombeau. En fait. La couronne, l'orbe et le sceptre. L'orbe, c'est pas le machin qui t'a cramé la main, là, c'est pas l'or, c'est pas un. Non, c'est un talisman. Okay. C'est un talisman. Une couronne, un orbe et un sceptre. Enfin, okay. On n'a pas d'indice sur une couronne ou une orbe, c'est la première fois que j'entends parler. Par contre, ce sceptre, j'en ai beaucoup entendu parler. T'as beau posséder les trois miracles, il faut être élu à un moment donné. Hein. Il y a une notion d'élection là, quelque part. Non, c'est lorsque tu possèdes les trois que tu deviens l'élu. Tu deviens l'élu. Toi, avec Ordo. Ah oui, donc, non, là, on n'est pas dans un système aussi bas que la démocratie. Je vous rappelle juste que, effectivement, si vous voulez, il y a aussi ce fameux coffre avec une combinaison à 8 chiffres. J'espère avoir des indices dans le texte, mais apparemment, il n'y a pas d'indice. Alors, par contre, dans le monastère, il y a 8 chambres. Est-ce que. On peut retourner fouiller ces chambres, je sais pas. 8 chambres, 8 chiffres. On a déjà 8 chiffres, 8 cellules. Ah, il a oublié d'être idiot.
Écoute, qu'est-ce que tu fais exactement? On retourne fouiller les chambres. C'est bizarre parce qu'on n'a rien trouvé. Mais peut-être qu'on ne cherchait pas à ce moment-là. Sur les murs, des gravures, des inscriptions sur les murs. Après, moi, je peux essayer d'ouvrir le coffre. Sur les portes, peut-être. Ah, c'est vrai. Quelqu'un me fait un jet de perception pour chercher dans les cellules. Alors, on cherche dans les cellules. Si on trouve rien, attends, je vous propose de tenter. La perception. Moi, je suis perceptionniste. Il a l'œil de taupe. 99, c'est totalement raté. 99, génial. Alors votre ami dit « je ne comprends pas, je ne vois rien, il devrait y avoir un indice là, pourtant j'en suis persuadé. » On peut, essayer, nous aussi. Vas-y, tu peux chercher. Allez, dernier essai. Attendez, Kétra, est-ce que vous êtes bien en perception? Comme vous, je pense, c'est pas... Moi, je suis moyen au-dessus de la moyenne. Ah, t'es mieux que nous, mon cher. Je suis au-dessus de la moyenne. C'est notre dernier essai? Nicolas, la nuit tombe pendant ce temps-là. On a nos torches. Ouais. Est-ce que nos torches nous donnent un petit bonus en termes de perception? Non. J'essaie de gratter tout ce que je peux là, parce que c'est le dernier essai là. Allez. Ah, c'est réussi ça. 34. Et c'est réussi, 34, c'est complètement réussi. Malheureusement, tu ne trouves rien dans les cellules. Oh, pour une fois, j'ai laissé un truc, ça sert à rien. Voilà. Donc 8 cellules. 8 cellules ont 8 chiffres. Donc, qui servent à rien. Ouais. Okay. Et un texte aussi. Et alors, on va s'approcher du coffre, on va retourner voir le coffre. Oui. Un petit peu l'observer, parce qu'une combinaison à 8 chiffres, c'est pas commun, c'est quand même un bel ouvrage. Oui. Moi, je vais regarder, je vais tenter de me servir de ma capacité de voleur. Alors, tu as quoi? Tu as serrure, non, c'est ça? Non. La serrure. Non, il y a un truc, c'est serrure et piège, mais c'est pas vous qui l'avez. Ah, ce n'est pas moi. Moi, je l'ai. Ah. Il est pas mal mi-cuit, quoi. Et je crois que t'es le seul à l'avoir. Ah oui, alors, c'était le seul. Allez, Nicolas, on va traquer après. Ah, j'espère qu'on va boire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas bu. On n'a pas traqué depuis pas mal de temps. Yes, c'est bon, très très 25. Bon. Alors, tu sais que tu n'arriveras pas à la forcer, parce que tu n'as pas été le premier à le faire. D'accord. Tu as déjà, tu as fréquenté un peu des voleurs, à Klinga, tout ça, c'est pour ça que tu as cette connaissance. Et tu sais que généralement, quand tu as des coffres, un peu dans des endroits mystiques, tout ça, t'as forcément des indices cachés qui montrent que la combinaison, elle est pas loin. Donc elle est là, elle est sous nos yeux, mais vous n'arrivez pas à la voir. Bon, en tout cas, ça fait deux fois que j'ai réussi un jet pour rien, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir en tout cas. Du coup, il y a la combinaison par là, donc il faudrait qu'on observe un petit peu la cathédrale déjà. Est-ce qu'on peut rechecker, donc c'est la grande chapelle. On a vu la peinture au plafond. Grande chapelle, une peinture au plafond. Oui. Une statue décapitée, et au pied de la statue, le texte. Donc est-ce que le texte ne contiendrait pas... Justement, moi, j'ai pensé à avoir des chiffres dans le texte. Des indices, on a trois objets. Miracles, c'est tout. Hein, alors vous êtes penché sur le texte, et il y a une énorme patte d'araignée qui passe par-dessus le monastère, parce que c'est une araignée qui doit faire au moins 3 ou 4 mètres. Et elle commence à... Et c'est ça, en fait, qui fait ça. Elle avance, et... On ne veut pas dire qu'elle renifle, mais elle s'approche doucement. Vous savez, les araignées, elles avancent, et elles... Elle s'approche de vous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier par rapport à cette araignée géante qui s'approche de vous? On la voit déjà. Quoi? On la voit, l'araignée? Ah oui, elle est... vous ne pouvez pas ne pas la voir. Elle est énorme. Elle est dans la cour du monastère. Alors, là. Elle est passée par-dessus le mur. Que... 8 pattes. Voilà. 8 pattes. Tout est là. Tout se rejoint. Si on arrive à tuer l'araignée, mettre une patte dans chaque cellule. Peut-être qu'un chiffre apparaîtra. Alors attendez, est-ce qu'elle paraît agressive cette araignée pour l'instant? Est-ce qu'elle se déplace? Alors en lecture d'araignée, c'est pas un expert. Des fois, j'arrive à dire sur les mandibules. Et si on ferme la porte et on la laisse dehors? Mais non, elle est passée au-dessus du mur, là. Ouais. Non, mais on est dans une chapelle. La double porte de la chapelle, worst case scenario, elle veut défoncer la porte de chapelle et rentrer à la chapelle, elle pourrait. Ouais. Ah oui, la porte n'est pas très solide. Ouais, mais surtout, elle peut rentrer dedans, ouais. Voilà ça. T'as quoi déjà comme potion? Moi, c'est pas grand-chose. C'est vrai, Kétra, je vais regarder mes potions. Alors, la magie aussi. Hein. Il me reste, dans le pire des cas, il me reste le feu destructeur d'Ingramus le Sage, qui est une potion explosive extrêmement, extrêmement dangereuse. Ouais, mais ça. Est-ce que ça vaut le coup de ça? C'est le pire des cas. Il y a de la magie. Je commence par. On est dans la chapelle pour le moment. Je décoche une flèche. Ah, tu vas un peu l'énerver là. Non, mais Kétra est comme ça. De toute façon, elle va nous attaquer. Vas-y, allez, lance ta flèche. T'as une compétence. T'as une compétence. Je rappelle que pour l'instant, l'araignée est pacifiste. Hein. Oui. Non, elle est pacifiste. Elle est là quand même. Hein. Ouais, elle est là, mais bon. 52. Sur 75, ouais, c'est ça? Sur 75. Bon, bah ça marche. Alors, tu décoches une première flèche qui se plante
dans la carcasse de l'araignée, qui est quand même un sacré morceau. Voilà, un bon morceau. Mais par contre, maintenant, là, elle t'a bien repéré et elle commence à accélérer et à aller vers toi, tu vois. Voilà, c'était exactement ça qu'il fallait éviter. Attends. Écoutez, on va peut-être faire de la magie. Au prochain tour, elle vous attaque. Ah ben, parfait. Alors, on va faire de la magie. Qu'est-ce que tu fais? Comment marche ta magie déjà, Clodomir? Alors, j'ai quatre types de sorts. Des sorts de... Pique, c'est quoi? Alors, pique, il appelle aux esprits, il peut ressusciter des morts, tout ça. Trèfle, il peut invoquer un élément. Un élément. Genre, par exemple, le feu. Une boule de feu. Carreau, il peut manipuler la matière. Et il me reste quoi? Cœur, il peut influencer les esprits. Très bien. Voilà, donc les esprits... Il n'y a pas grand chose. Je serais pas contre une petite boule de feu là. Donc il faut lancer une boule de feu. Fais-moi au moins un 6 de trèfle. On est derrière. Mais si tu fais un 7 de trèfle, c'est bien. Hein. Non, mais au moins 6, vas-y. Déjà, si tu fais un trèfle, c'est bien. Voilà. 8 de cœur. 8 de cœur. Continue. Non, bah attends. Tu peux leur donner du courage si tu veux. Bah tiens, bah, donne-moi du courage. Alors voilà, je donne du courage à Kétra. Vous sentez plein de courage Là, elle va nous attaquer ou je peux faire un truc encore? Non, pour l'instant, il est encore en train de lancer son sort tant qu'il n'a pas arrêté. Si tu veux, Je retends. Ouais, c'est dangereux. Il peut capter autant de magie qu'il veut et puis vider son deck. Roi de cœur. C'est ultra boosté, là. Tu veux faire quoi, là? Je peux avoir un boost pour mon attaque, tu leur donnes du courage, c'est ça? Ouais, j'arrête. Ok, ils deviennent fous. T'arrêtes là. Bah oui. Comment ça? Bah ça a foiré. J'ai besoin de feu, mais il est encore plein de cartes. Donc vous êtes très motivé, on va dire que vous êtes tellement, il vous donne tellement de courage que motive que vous allez pouvoir faire quelque chose avant que l'araignée vous attaque. Qu'est-ce que tu veux l'attaquer? Bah moi je fais un coup spécial que j'ai souvent fait en harem. Ah, la fatalité, c'est ça? La fatalité. Enfin, vas-y. La fatalité. La fatalité, c'est elle donne un coup de hache, un deuxième coup de hache et après elle relance sa hache, tu vois. Vas-y. Mais t'es à combien sur ta fatalité? 60. 60. Faut qu'elle fasse moins de 60. Allez. 68. 66. Tu donnes un coup de hache dans une planche, dans une autre planche, les deux planches sont coincées et tes haches sont coincées, tu peux rien faire, voilà. Moi je vais tenter un combat rapproché. Un combat rapproché avec quoi? Ah mais avec ma rapière. Vas-y. Une rapière, je vais essayer de piquer la bête. Quoi? Je peux pas lui donner mon arc, il le prend. Non, pour l'instant il faut que je fasse moins de 65. Ouais. Les rois 67. De la magie. Il dégage son épée. On garde l'araignée, ça passe à côté. Il reste plus que notre magicien. Je déteste les responsabilités. Moi, je suis né pour faire la fête et des potions, là. Qu'est-ce que je. Bah, fais ta boule de feu. Alors, ultime, j'ai une potion qui s'appelle le feu destructeur d'Ingramus le Sage. Il faut que tu me fasses un jet en lancé. Attends, c'est pas hyper précieux, ça? On ne devrait pas le garder. Il peut la refaire à tout moment. Est-ce que notre vie est précieuse? Oui, bah, bien sûr. C'est-à-dire que là, ça m'a l'air mal engagé, quand même. Hein. Allez, allez. On n'est pas bien. Donc, par contre, si je la lance, j'ai 50% de chance qu'elle réussisse. Si j'ai une je ne sais pas, 75% lancé, je crois. J'ai ça. Tu as 75% lancé. D'accord. Non, c'est pour la faire, ok. C'est à distance que tu dois regarder. Ah, oui. Classe, dépêchez-vous. C'est 67. Donc, il faut bien agiter. À la rapière, c'était. Attends, il y a plusieurs potions. Attends, il y a un truc que je dois te dire avant de lancer la potion. Je dois bien la secouer. Plus tu la secoues, plus elle est forte. Alors, tu la secoues de quelle façon? Je la secoue comme si je faisais un shaker et le meilleur cocktail de ma vie. je peux vous dire, ça va... C'est pas un Virgin Morito, je vous envoie là. Alors, il faut que je passe... 37. Oh, c'est magnifique. Donc, il secoue bien la potion, il la lance, elle fait une merveilleuse parabole. Elle atterrit en plein sur le dos de l'araignée. L'araignée qui se couvre de napalm et qui commence à hurler, à brûler, et elle se bouge dans tous les sens et elle se retourne, elle sait pas de se recroqueville et elle est morte. Vous avez vaincu une araignée géante. Bravo. C'était pas gagné. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer sur cette araignée? Remerciez-moi déjà. Bonne trinquen très là, à votre service. Bravo, la personne qui peut savoir, c'est lui avec identifié. Bon, attends, déjà on va se remettre un petit peu. Hein. Tu reprends ta flèche. Toi, tu reprends tes haches. Déjà, je reprends ma flèche et mes haches. Oui. Je bombe le torse, je vous regarde tous d'un air un peu genre. Oh bah ça va. Hein, père asiatique. Et voilà, alors ensuite. Bravo Nicolas. C'est... Merci Nicolas. Merci, ouais. Alors c'est déterminer une substance en fait, c'est ça? Oui.
Et c'est bon. Alors, tu découpes très habilement, comme un chirurgien, deux glandes empoisonnées de l'araignée qui aurait pu vous tuer sur le coup, d'ailleurs. D'accord. Et tu pourras en faire certainement quelque chose de très intéressant lié au poison. Et pour les curieux, vous pouvez aussi arracher des plaques sur l'araignée pour les vendre ou en faire peut-être des armures si vous trouvez un forgeron compétent. Ah, pas mal. Voilà. Ouais, on arrache. Plaque chitineuse d'araignée. Okay. On peut avoir des crocs aussi pour faire des... Non, c'est déjà pris par lui. C'est des mandibules, en fait. C'est un peu, oui. On peut tous se récupérer des plaques d'araignée ou pas? Vous pouvez en récupérer, on va dire, suffisamment. Et si vous trouvez des forgerons, je vous dirai. Okay. D'accord, okay. Ouais, ton araignée a fait 3 mètres de haut. Excuse-moi. Ça va, il y a de la place. Hein. Alors, attendez. Après, la boule. Là, on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer en inspectant le cadavre. Il n'y a rien d'autre. C'est une simple araignée géante, bien que c'est la première fois que vous en voyez une, bien entendu. Est-ce qu'on peut récupérer les poils? T'as récupéré les plaques chitineuses, donc il y a des poils dessus. Des poils dessus, ouais. Ok, très bien. C'est très intéressant, les poils d'araignée. Les poils d'araignée, ouais. Les yeux aussi. Arrêtez. Est-ce qu'on peut récupérer les yeux? Ok, tu sais quoi? Tu ramasses un œil d'araignée. Ça y est, c'est un trophée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un code secret sur une des pattes ou les 8 pattes? Un chiffre sur une des 8 pattes de l'araignée? Non. Si on met une patte dans chacun des... Est-ce qu'on peut mieux observer la statue qu'il y avait à l'entrée, là? Ouais. Non. Je vais être honnête, a priori, là, c'est pas inspirant. Bon, alors, si on galère à trouver le coffre, est-ce qu'on peut prendre le coffre ou, Il pèse un âne morceau. Attendez. Si on retourne dans la petite chapelle et qu'on pense très fort à notre ami Moussa, qui lui avait peut-être des indices, et on ne sait pas où il est, mais il est sur cette enquête. Idée, ça. Alors, qui prie? Bah, c'est moi qui m'entendais mieux avec lui. Oui. Donc, je tiens à ce compagnon et je voudrais savoir où il en est. Il a eu 5 secondes. Non, mais ils ont tout de suite, il y avait un truc. C'est ça, l'invité. Moi, il y avait une alchimie entre eux. On n'a pas traqué dans le projecteur sur l'araignée. Je tenais à traquer. Moi aussi, je traque avec vous. Remplissez vos godets, les amis. Merci à votre capacité. Bien aussi. À deux près. Alors, Nicolas, après avoir convaincu sa araignée, se met à genoux, prie fermement Moussa, pense à Moussa. Et là, il a une douleur horrible dans sa main. Oh non, c'est pas possible. Ça brûle à nouveau. Ah, je perds un point de vie. Mais non. Comment ça? Écoute, je n'en sais rien. Hein. Attends, t'as pris quoi dans ta main? J'ai repris un point de vie. J'ai encore perdu un point de vie, quoi. Mais pour... J'ai plus le droit de... Alors, ce que je comprends, c'est que je pense que ce talisman m'a maudit un peu pour cette religion. Je ne peux plus prier, en fait. Parce qu'à chaque fois que je prie, je perds un point de vie. Donc je pense qu'à chaque fois que je joins mes mains, je fais quelque chose que je ne peux plus faire. Bon, bah, on va moi, je veux bien penser à lui, parce que c'est quelqu'un qui... Tu viens d'Akamar, tu pries à nouveau. Et là, tu as une vision de Moussa, qui est caché sous un tas de rochers. Il y a des araignées géantes qui rôdent autour de lui. Voilà. Ah, le pauvre. Et il a l'air d'être dans la forêt aussi. Et il a l'air d'être mal aussi. On ne pourra jamais le retrouver, quoi. Voilà, attendez. Alors, t'as vu Moussa, donc? Oui, donc caché dans la forêt. Est-ce que les araignées l'attaquent ou elles sont juste... Elles ne peuvent pas l'attaquer parce que c'est bien caché dans les rochers. Il est où son chameau? Pas de chameau, c'est dans la vision de Keitra. D'accord. Bah, il s'est fait manger. On ne sait pas. Les araignées mangent des chameaux? Bon. Elles mangent tout. Elles piquent tout. Bon, on l'a vu. On part du fait que Moussa est pas bien, mais en sécurité. Donc, c'est pas l'urgence. Sécurité, c'est vite dit. Hein. Oui. Non, on dit juste que, bon, il est pas attaqué pour l'instant, il est pas repéré. Donc. De toute façon, la seule potion qu'on avait. Moi, j'ai plus rien là. Là, je. On a toujours les haches de Keitra. Comment envisagez-vous la nuit, au monastère? Déjà, il faut surtout qu'on arrive à ouvrir cette saloperie. Il y a des indices. Forcément, il y a des indices qui sont proches. Donc, on a bien vérifié la grande chapelle. On a bien vérifié la petite chapelle. On a bien vérifié les 8 chambres. Et on n'a pas vérifié la cuisine. On n'a pas revérifié la cuisine. Après, on n'a pas vérifié le cercle de sel. Si, hein, il moi a fait une perception. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y avait un cercle de sel. Il y avait une bouteille. Il y avait aussi une bouteille. Et la bouteille avec le liquide. Attendez, est-ce que... Est-ce que si on versait la bouteille sur le coffre, vu que le liquide a l'air acide... Non, je pense qu'il faut vraiment trouver des chiffres. Verser la bouteille sur la serrure. Ou peut-être que dans la bouteille, il y a quelque chose. Alors, avant de la verser sur la serrure, il faudrait la verser, par exemple, sur l'araignée, sur un truc pour voir si ça attaque. Mmh. Okay. Alors, tu verses un petit bout de la bouteille sur l'araignée. Ça sent l'alcool et le vinaigre très fort quand même. Et rien ne se passe. D'accord. L'araignée est peut-être plus forte que la serrure. Peut-être. Non, je pense que ce n'est pas une bonne piste. À mon avis, ce n'est pas ça qui va faire fond la serrure. Il faut qu'on trouve 8 chiffres. Je pense qu'il y a 8 chiffres à trouver quelque part. Dans la cuisine, on a... Qui sont d'ailleurs peut-être sous vos yeux. C'est ça qui est incroyable, mais bon. Justement, on refait... Mais disons que là, dans 3 minutes, si vous n'avez rien fait dans votre recherche, je dirais que la nuit s'est passée et le matin se relèvera. D'accord? Donc vous avez 3 minutes pour trouver une solution. La série en question, là, elle a 8 chiffres. Mais par contre, c'est des chiffres... C'est des chiffres qui vont de 0 à 9. Voilà, donc c'est bien chiant. Ok. Et si on levait les yeux?
Parce que... Quand tu lèves les yeux, tu vois une fresque, comme je t'ai dit tout à l'heure. Qui est-ce qu'il y aurait des écritures, quelque chose sur la fresque? La seule écriture est à la base de la statue et c'est notre... Est-ce qu'on peut le relire? De son royaume céleste vint le roi des dieux et il donna trois miracles aux hommes. La couronne, l'orbe et le sceptre. Si les trois miracles étaient possédés par le même élu, alors celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté du monde. Est-ce qu'il y a un nombre de phrases? Est-ce qu'il y a des indices? Est-ce qu'il y a genre des chiffres cachés? Déjà, ça commence par deux. Deux. Ah, regarde. Deux, son royaume céleste. Ok. Vingt, le roi des dieux. Vingt. Ah. Deux, deux, zéro. C'est pas deux, mal, ça. Deux, vingt, vous êtes fort, vous savez. Exactement. Trois. Okay. On tente. Il donne à trois miracles. Donc, on est à deux, deux, zéro, trois. Deux, deux, zéro, trois. Ensuite. La couronne, l'orbe et le sceptre. Non. Si les trois miracles. Si. Donc, six. Six. Ouais. On est là. Attendez, on va voir. Si les trois. Mais entre parenthèses aussi. Six, trois. Ouais. Miracle était possédé par le même élu. Le même élu. Est-ce qu'on se partirait sur un? Parce que là, après, je crois qu'il n'y a plus de chiffres. Alors, celui-ci devenait le roi des rois, seul. Capable. Seul un. Seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Non, la carte est trop loin, Claude Amir. Attends, là, t'es à quoi là? T'es à 2. C'est quand même du gros piffage. Hein. Ça se tente, on va pas se tenter. C'est pas comme si les retards à prendre, ils sont devant la série. À partir de. Alors, celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté. Eh, mais attends, le X. 10. Non, le X, il est dans ma main, mais c'est plus... C'est sur plus l'entièreté, que l'entièreté. Le 9. L'entièreté. Du coup, c'est sûr. On a combien c'est de chiffres? C'est 2, 2, 0, 3, 6, 3, 1, 9. Obligé. Non, le 9, j'y crois pas. Le 9, j'y crois pas du tout. Attendez, on refait de 0. Attendez. 2. 2, son royaume céleste. 20. 20. 2, 2, 0. Le roi des dieux, et il donna 3 miracles. T'as fait 4 chiffres? Ouais. La couronne, l'orbe et le sceptre. 6. 6, on va dire, allez. Les 3 miracles 3. Étaient possédés par le même élu. Donc 1. Il manque un chiffre. Alors celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté du monde. J'ai l'impression qu'il en manque 1. On a 7 sur 8. Je m'arrête à 1. Bah, mets un 1 à la fin alors. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'en ai 8. T'en as 8? Non, mais avec le 9, là, tout pourri. Oui, la fin, moi, j'ai l'entièreté. Tu vois, oui, non, mais justement, ça, c'est pas un chiffre. L'entièreté. Mets le 1, mets le 1. Encore deux fois 1 à la fin? Oui, parce que le même élu, seul capable de régner avec sagesse, était possédé par le même élu, première fois du 1. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ah non, l'entièreté, c'est le 0. Ouais, mais il n'y a pas de 0 sur le truc, sur le coffre. Si, 0 c'est 2 0 à 9. Ah, ça va 0 à 9. Non, mais il y a 0, parce que de 20, c'est 2 0, donc... Allez, vas-y. Allez, on tente, puisqu'on est... C'est quoi les combinaisons que vous mettez? On nous sommes des génies. Alors, je m'avance vers le coffre, et je saisis le code suivant. C'est moi qui perds ma point de vue. 2, 2... 0, 3, je tente un 6, 3, 1 et 0. Déjà, là, ça fait 9, hein, ce que tu me dis. Ah zut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça fait 8. Attends, redis le mot. 2, 2, 0, 3, 6, 3, 1, 0. Le coffre réfléchit. Il n'y a que 7. Ah, il y a que 7. Ah bah, bien sûr. Donc ça, on enlève celui de la fin. On enlève le 0. Redis-moi alors. Donc 2, 2, 0, 3, 6, 3, 1. Alors, fais-moi un jet en... Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet en serrure et piège? Ah ben, Moi, j'ai serrure et piège. Mais donc, excusez-moi, MJ, vous avez complètement piffé les 8, hein, parce que nous, on a cherché des 8 partout. Hein. Oui, ok, c'était un 7, je suis désolé. Allez, on n'avait pas vu. Il n'y a pas de MJ, il n'y a que des voix dans ta tête, Claude. 77? Ah bah, c'est ça. Ah non, c'est pas le moment. Ça, alors... tu commences à mettre le code. Tu perds un point de vie. Non. Et franchement... Vous avez presque tout de bon, sauf un chiffre. Ah, c'est peut-être le 6. Claude Amir, relisez-nous. Okay, on sait que c'est ce texte. De son royaume, vint le roi des dieux, et il donna 3 miracles aux hommes, la couronne, l'orbe et le sceptre. 7, non? Ah, c'est pas mal. 7, non. Ouais, à la place du 6, parce que le 6, je le trouve vraiment... Tous les chiffres sont à la bonne place, ouais, voilà. Sauf 1. C'est ça. Alors, il y en a un qui est pas bon. Relis. Pas deux. Ah, il y en a un qui est pas bon. De son royaume céleste vint le roi des dieux. Ok. Jusque là, on a 2-20. Non, ça c'est bon. 2-20, c'est bon. On ne sait pas. Et il donna 3 miracles aux hommes. 3. Ouais. Moi, j'ai... La couronne, l'orbe et le sceptre. Si les 3 miracles. 3.
6-3. Possédé par non, mais le 6, peut-être pas, en fait. Ouais. Donc, ce serait 3. Parce que c'est 6, c'est pas 6. Ouais. Par le même élu. Alors, celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse sur l'entièreté. Et si on finissait par 2-1 plutôt ? Ouais. Pourquoi 2-1 ? Ça fait 1, 2, 3, 4, moi, j'ai 5, 6, 6, 7. J'ai 2-2-0-3. Moi, 3, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ça fait 2-2-0-3, 3-1-1. Ouais, pourquoi 3-1 ? Bah, seul, à la fin, ça bourre quand même sur le solo, quoi. Ouais. Okay. Faudrait refaire un géant en serrure ? Ouais, assure. Excusez-moi d'avoir assuré pour toute aventure. Hein. C'est un peu le mastermind. 0-7 oui. Ah, c'est oui. Magnifique, ça. Ah, excellent géant en serrure. Alors, tu essayes différentes combinaisons. Et la toute première que vous avez dite, effectivement, il y avait juste un chiffre qui était mauvais, c'était le dernier. D'accord. Voilà, donc après, je vous laisse. Bon, si bah, c'est vous pas grave. Presque. Bon, bah, on tourne, ouais, on tourne jusqu'à 9 et on clique. Effectivement, ça devrait s'ouvrir. Le dernier chiffre qui vous manquait, c'était le 2. Alors, vous retrouverez peut-être. Mais ah en tout non, cas, parce que ça faisait le roi des rois, un peu. Ah, parce qu'il règne avec sagesse. Ils sont deux. Eh oui. Ah forcément je... Non, je crois pas que ce soit ça. Mais si sur l'interprétation sur moi. Parce que relis la phrase. Attends. Alors, celui-ci devenait le roi des rois, seul capable de régner avec sagesse. Mais non, mais... Lui et la sagesse. Oui, et la suite, c'est peut-être plus intéressant. Sur l'entièreté du monde. Bon, vous trouverez peut-être l'explication un jour. Le tabernacle s'ouvre grâce aux efforts conjugués du savoir en serrurerie de votre ami et la résolution partielle de cette énigme, quand même. Et dedans, vous trouvez donc une pièce d'or, une seule pièce d'or, mais ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une aspe de l'ancienne Osmanli, donc c'est une énorme pièce, elle ressemble, elle est grosse comme un beignet, vous voyez ce que je veux dire ? Donc elle est vraiment très grosse. Comme un beignet au safran, ouais. Voilà. Elle est gravée d'un soleil un peu rieur, mais elle, rien qu'en or, si vous la fondez, elle pèse beaucoup d'or. Donc là, qui la garde ? Toi, tu gardes cette pièce ? Ah ben, je l'ai touchée déjà. Dans son sac à dos avec le... Je l'ai touché. Moi, ça ne m'a pas brûlé, hein, pour l'instant, en tout cas. Donc, en fait, là, on a quand même mis en œuvre toutes les forces cognitives de la région pour... Attendez, c'est pas terminé. Attends, on porte quelle pièce ? Il y a également un livre. Ah ! Et il y a un poignard qui ressemble un peu à un poignard... Toi, tu connais le poignard ? Qu'on peut lancer. Et il y a un mot gravé dessus. Voilà. Est-ce que je peux regarder ? Moi, j'aime bien les poignards avec des mots hein, dessus. Ouais, hein, fais-moi un gère en lire-écrire. Attends, mais le poignard, c'est pour... C'est pas Atlan plutôt qui devrait. Moi j'aime bien les poignards. Ouais. Non, mais en tout cas, j'avais deux dagues. Il y a un mot écrit. Parce que moi j'ai un symbole sur le mien. Oui. 67, pim, c'est bon. Sur combien ? 75. Il y a marqué expéditif. Expéditif ? Oui. Ah, c'est ton nom ça. Ok. Expéditif, c'est un poignard qu'on lance. Hein, qu'on peut pas taper avec ? Non. Est-ce que son poignard, expéditif, Kétra, tu l'as bah, oui, tout ce qui est contondant. Kétra, comment ça ressemble à un arsenal sur pattes hein, ouais, un arc de hache et un poignard de lancer. J'avais tellement aucun espoir que vous trouviez la truc, j'avais mis la maison de côté. Quoi. Il reste ah ouais plus. Mais attends, le livre. Le livre, il s'intitule le Codex Runica, et si tu veux le lire, il faudra un peu de temps. Il est très épais. Prends-le. Bah, je le prends. Ah, bah oui, il vaut mieux le prendre. Oui. Vous êtes bien plus cher. On l'a le Codex Runica avec toi. C'est génial. On le laisse et on verse la bouteille dessus. De vinaigre. Ok, il n'y a plus rien dans le coffre, il n'y a pas un double fond ? Non. Bon, moi je propose qu'on retourne sur le vrai chemin. Bah non, il faut qu'on aille sauver monsieur là. Mais avec quoi ? On a une dague, on a des épées. Elle a 35 000 armes, son inventaire. La flèche, elle a fait. Non, mais c'est des micro-araignées là, c'est terminé. Non, c'est des araignées. Mais c'est des petites. Je précise une chose, c'est que l'araignée, l'exploration et surtout vous casser la tête sur le coffre, ça a pris toute la nuit. Donc le soleil se lève et vous avez un petit peu de sommeil. Non, vous avez pas dormi. Est-ce que vous voulez dormir ? Est-ce que vous voulez repasser une nuit au monastère ? Est-ce que vous voulez continuer sur le chemin ou est-ce que vous voulez revenir en arrière ? On fait une petite sieste. Moi, je propose la micro-sieste. Ouais. 20 minutes, en principe, c'est suffisant. Non, mais si. On pourrait même pousser à 2 heures. Hein, non, non, c'est mon secret de beauté. Ça marche très bien. 20 minutes, des flash naps. Juste pour nous des flash naps chez vous. Flash naps de 20 minutes, on se détend tous. Tiens, fais péter ton herbe. Ah, voilà. Alors, j'attendais. Personne ne monte la garde. Non. J'attendais ce moment. Écoutez, on a 30 grammes de toum. Je pense que je peux vous fabriquer un petit pétoum. donc, je prends, 5 grammes. 5 grammes, c'est généreux déjà. Je fais 5 grammes et je prépare un petit pétoum pour que les gens se détendent. D'accord. Et qu'on se repose un petit peu. Donc, vous faites votre flash sieste et vous vous sentez bien. Voilà. Vous vous sentez bien et tu peux reprendre un point de vie. Ah, tu vois. Ah, ben voilà. Merci de la drogue. Voilà le message qu'on envoie aux jeunes générations.
Déjà, une fois que vous avez fait cette sieste flash, vous êtes quand même fatigué. On est d'accord que vous n'allez pas pouvoir tenir deux nuits blanches. Mais vous avez fait votre première nuit blanche avec votre micro-sieste. Maintenant, est-ce que vous habitez dans ce monastère parce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous revenez vers le chemin sûr ou est-ce que vous vous enfoncez dans la forêt à la recherche de votre ami? Il faut chercher Moussa. En plus, là, les indices qu'on a trouvés dans ce monastère... Est-ce qu'on ne peut pas refaire une petite prière pour voir s'il a bougé ou si... D'accord. C'est vraiment libre au service, la prière, c'est... Tu pries à nouveau, et là, tu vois, tu as une vision de Moussa, qui est sur le chemin, il est sans son chameau, mais il est en train de marcher dans la forêt. Ah ouais, Il est comme ça, Moussa. Du mauvais chemin, du coup, toujours dans la forêt. C'est pas GPS, hein. C'est plutôt sombre, oui. Ah, c'est plutôt sombre. Il faut aller chercher, on se dépêche, on va chercher. Mais c'est même incroyable qu'il soit passé devant le monastère sans s'arrêter. Il n'a pas l'air en danger. Ok, on essaie de chercher, mais si on ne l'a pas trouvé avant la tombée de la nuit, on revient sur le chemin normal. Ouais, mais là, il a l'air paisible, on est allé mec. Tellement loin sur le chemin pas normal qu'autant continuer à fond et récupérer. Sachant que je vous rappelle. Tu savais pas où il mène. Je vous rappelle que Garny nous a dit que. C'est un raccourci. C'est un raccourci pour aller à Aria. C'est un raccourci, mais c'est dangereux. La forêt de Sauvigny, c'est un raccourci. On a vu que c'était dangereux. Entre le rideau et Aria, la forêt de Sauvigny est censée être un raccourci. Dangereux. Mais ça veut dire qu'on ne se perd pas dans le truc. Les gars, quand vous serez entouré de 10 araignées géantes. Bah, t'auras ton couteau, t'auras ton expéditif. T'auras tes 9 flèches, ton expéditif et tes 2 haches. Ça va, t'as tué ton meilleur ami et Kiki le sait. T'as pas besoin une petite potion boule de feu à l'arnus là. Est-ce que vous devez retourner sur le chemin sûr ou vous vous enfoncez dans la forêt? On s'enfonce. Allons-y, on va chercher Moussa. Réponse collégiale, donc des ruines anciennes couvertes de mousse. Des arbres aux troncs immenses. Un sentier bordé de statues de créatures animales qui semblent vous regarder. Des statues, on est d'accord. C'est des statues. Bon. Il y a un petit campement au loin, un feu de camp et une petite silhouette qui est assise à côté du feu de camp. Ah, on est toujours à cheval. Probablement en marchant. À cheval, tout à fait. On y va. Bon, ben, on va aller voir qui c'est. On n'en voit pas d'éclaireur, on y va. Alors, la silhouette vous voit, elle se lève, elle vient à vous. Elle n'a pas l'air méchante, agressive pour le premier temps. C'est une vieille femme. Ah, là, c'est bien les vieux. Qui se présente sous le nom de Xa. X-A. Et elle termine ses phrases en riant de façon, en se disant « Ok. » Donc elle est assez vieille, elle a des cheveux blancs, elle a une certaine prestance. Elle porte une robe avec des motifs de cygne. Elle est lavée ou pas? Attendez, avec des motifs de cygne? C'est un peu Et elle dégage une odeur très forte, très très forte d'herbe coupée. D'accord. Alors, donc l'herbe, le gazon coupé. Frais, où est-ce qu'on a croisé un cygne? On en a mangé un, c'est ça? Toi, Nicolas, tu as une voix intérieure qui chuchote et qui te dit « Il faut la tuer. » Ok. Que faites-vous? Elle dit, alors elle vous dit, alors étranger, vous êtes perdu? Est-ce que c'est un endroit dangereux? Mes amis, ça n'arrive pas toujours. Moi, sur, Non mais juste, je vous dis, parce que vous n'êtes pas au courant, mais une voix me dit... Mais une voix de qui? Je ne sais pas. C'est une voix intérieure qui me dit, il faut absolument que je tue cette personne. Alors c'est vraiment bizarre parce que je ne tue pas souvent des gens, je n'ai pas souvent des voix. Donc là, qu'une voix intérieure me dise « tue cette personne », on va déjà lui parler. Oui, on va peut-être d'abord lui parler. Je trouve ça un peu expéditif pour reprendre le nom. C'est pas habituel chez moi, c'est pas habituel chez moi. Ça m'inquiète un peu même d'avoir eu cette voix qui me dit « tue cette femme ». N'ayez crainte, étranger, moi je suis une sorcière qui habite dans cette forêt et je peux vous accompagner à l'extérieur de la forêt ou vous aider. Quoi? Contre quoi, c'est une bonne question. J'ai juste un tout petit service de rendez-vous qui va vous prendre 5 minutes. Et une fois que vous m'aurez aidé... je pourrais vous accompagner dehors, mais je pourrais même le faire à titre amical. Mm-hmm. Mais contre quoi? Eh bien, là, j'ai un campement juste sous cet arbre immense. Alors, je te montre un arbre immense. Sous les racines de cet arbre immense se trouve une petite tombe. Et j'ai besoin de récupérer quelque chose dans la tombe, mais je ne peux pas y aller pour diverses raisons. Je vais vous expliquer, mais d'abord, asseyez-vous à côté de ce feu de camp. Allez donc, souillez ce cimetière indien, tout va bien. Expliquez-moi d'abord qu'est-ce que vous faites dans cette forêt. Vous savez que vous n'êtes pas le premier étranger que je vois. J'ai croisé un étrange voyageur avec un espèce de turban sur la tête. Il est parti par où, il y a longtemps? Je l'ai accompagné, il s'était perdu, je pense. Je l'ai accompagné à l'orée de la forêt. Il y a combien de temps? Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il vous a donné pas 2 heures. L'objectif de son voyage? Il cherchait à aller à Aria. Je déteste cette ville parce qu'il y a des magiciens extrêmement prétentieux. Et il y a une grande bibliothèque là-bas. Il voudrait se renseigner. Voilà. Alors cette voix est très entêtante, donc ça m'inquiète, mais vraiment cette voix me dit tue seulement. Tu veux qu'on t'attache? Oui, tue seulement. Sécurité éventuellement. Alors j'ai rien pour tuer que ça.
Elle t'a juste dit ça une fois, la voix. Hein. Il ne faut pas décoller en plus. Tu peux le dire. Hein. Ok. Mais de toute façon, je n'ai pas d'arme pour la tirer. Moi, que j'essaie de lui envoyer une potion. Je vous explique. J'ai eu un petit souci dans ma jeunesse et j'ai fait un pacte, ok, avec un démon. Je vous le dis, à toute transparence. Tout le monde. Quel démon sorcière ? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais rentrer dans les détails, ça nous intéresse. Sachez que simplement, j'ai juste un dernier objet à récupérer. Et il se trouve que sous cet arbre se trouve la tombe d'un roi ancien. D'accord ? Et il y a une flèche qui l'a transpercée. Et j'ai juste besoin de cette flèche. Mais comme c'est une tombe de rançon et que vous êtes des aventuriers peut-être en quête de richesse, il y a peut-être d'autres choses dans cette tombe qui vont vous intéresser. Est-ce que c'est un roi ancien ou c'est un roi des rois ancien ? Non, ce n'est pas le roi des rois, la figure. Ah, vous le connaissez, le roi des rois ? Tout le monde le connaît. Est-ce que vous pouvez ? Nous ne le connaissons pas. Donnez-nous des détails sur ce roi des rois. Non, mais attendez. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on vous donne la flèche là ? Vous invoquez un dragon, il exauce des souhaits, quelque chose ? Alors, juste, moi, je prends la flèche, je la redonne au démon avec lequel j'ai fait un pacte il y a très longtemps. Ok. Et moi, je suis libre. Ah, et oui, mais alors qui ne l'est plus ? Qui n'est plus quoi ? Et est-ce que la malédiction, là, ne se passerait pas de... Non, ne vous inquiétez pas. On connaît ce genre de douille. Hein. Je vous assure que je suis là plutôt pour vous aider, je suis plutôt bienveillante. Simplement, et il y a peut-être des trésors aussi dans cette tombe. Effectivement, par contre, il y a un petit problème, c'est qu'il y a des insectes sous cet arbre. Oui, on a vu le... Ils sont très sensibles à l'odeur et vous sentez que je dégage une odeur un petit peu puissante. Et je pense que vous sentirez moins fort. Si vous n'avez pas d'odeur et pas de bruit, ça se passera sans problème. D'ailleurs, pas de bruit. Moi, je vous pose pourquoi une question. Pourquoi cette odeur entêtante d'herbe coupée ? C'est comme ça. J'ai cette odeur-là depuis la naissance. Comme ça ? Oui, comme ça. Alors moi, je suis très suspicieux. J'ai envie d'un petit peu... Je veux vraiment faire un jet plus. En psychologie. Ah oui, je veux faire un jet en psychologie. Ah, moi, j'aimerais la tuer, moi. Toi, tu te calmes. Calmez-vous. Tu peux pas lui montrer ta marque, là ? Mais c'est pas possible. Je suis maudit. Alors, tu ne peux pas dire si elle te ment ou pas. Ok, mais moi, je vais faire un jet en perception. Ouais, c'est pratique pour faire chaud dans sa cadeau. Connaissance des secrets, machin. Pour faire quoi ? C'est quoi ta question ? C'est voir si elle nous mijote pas un... Ah, mais ça, tu peux pas. C'est psychologie, c'est lui qui l'a. Il viendra tes son jet. Attends, je vais faire un jet en... en quelque chose, là. Si vous m'aidez, ça m'aiderait vraiment. Et moi, Comment dire, je fais un jet sur la tombe. Un jet en connaissance de secret. Tu la vois pas, la tombe. Ah, connaissance de secret, vas-y. Eh oui, au pied de l'arbre, là, qui est Koriki, là, Kokiri, je sais pas. Ok ? Alors ? Eh ben, ça fait 19. 19. Alors, tu sais beaucoup de choses sur le royaume d'Aria, et tu sais qu'autrefois, dans la forêt de Souvanie, il y avait un royaume très ancien, mais très, très ancien, ok ? Avant qu'il y ait des royaumes et des empires, quoi que ce soit. Et qu'il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait une tombe d'un roi très ancien ici. Bon. Moi, je suis pour qu'on l'aide. 19, c'est tout ce que j'ai. Il faudrait y aller. Kétra, tu veux l'aider, toi ? Ouais. Mais moi, je me méfie du pacte avec le démon, quand même. Je sens l'embrouille. Un pacte rétroactif. Ça sent l'embrouille. Alors moi, je suis déjà un peu pacté de la main, donc je... Elle a l'air très sympa. On a vu qu'elle mentait pas, qu'on a vu notre ami, effectivement, il était en train de marcher... Si on peut trouver des secrets dans la tombe, moi, ça me va. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Kétra est parti. N'ayez pas peur de l'arbre, il bouge un petit peu. Sous l'arbre, n'ayez pas peur des insectes. Par contre, ne faites pas de bruit. Pas de torche. Il va falloir trouver un moyen pour vous éclairer. Vous avez quelque chose pour vous éclairer sans... Bien sûr. Non. Bah non. Quoi ? J'ai ma baguette de magicien. mais c'est pareil qu'une torche, au final. Bah non, on s'éclaire sans flamme. Une petite potion de perception, okay. Nicolas ? Non, mais on éclaire sans flamme, comme il y a des magiciens célèbres qui l'ont fait, comme Gandalf... Bah tu peux... Harry Potter... Non, tu peux pas le faire. Je peux pas le faire. Moi, en fait, là, j'ai plus de potions. Je regarde parce que j'ai beaucoup d'ingrédients. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas d'ingrédient qui me dit que ça pourrait m'aider. Tu as peut-être un objet sur toi qui éclaire. Je vais pas en dire plus. Une potion de phosphorescence, peut-être ? Non. T'as pas un de tes talismans ? Non, alors le talisman, c'est Atlan qui le porte dans le sac à dos, je ne peux plus toucher. Qu'as-tu comme objet, dis-nous ? Alors, j'ai deux potions vides, j'ai toujours mon armure en cuir, des racines de mandragore. De la mousse noire. J'ai de l'étoffe jaune, des plumes de corbeau, encore 25 grammes il de tout. Tout ramassé. La mousse noire. Oui, attends. Une couverture, une torche, de la mérilia, de la mousse noire, je ne sais pas à quoi ça sert, deux glandes d'araignée et des plaques d'araignée. Alors la mousse noire, il faudrait essayer de la re-identifier peut-être. Ah, c'est marrant parce que tu as ramassé un objet que tu n'as pas noté sur ta feuille, donc on considère que tu l'as perdu. Ah si, t'avais une pierre, il avait une pierre verte. Ouais, je sais. Ah oui, il avait une pierre verte. Cherche mieux dans ton sac. Je cherche mieux. Ah mais c'était dans une pochette à garder. Ah bah oui. C'est quelqu'un d'autre qui l'a.
C'est pas toi qui l'avais gardé, Atlan ? Non, 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 moi je l'ai pas. Okay. Bon, en tout cas, la terre verte. C'est au tout début de l'aventure. Bon, avertissement, la prochaine fois que tu l'as, que t'as pas d'objet, mais je crois que tu l'as perdu. D'accord, je crois que quelqu'un d'autre t'avait récupéré la pierre verte. J'ai une bouteille d'acide ou d'huile d'olive. Donc, t'as une pierre, verte qui luit faiblement. C'est vrai, j'ai une pierre verte qui luit. Alors elle vous dit, pas de torche, vous allez trouver, vraiment pas loin, une porte en métal. Elle sera bien fermée, trouvez un moyen silencieux de l'ouvrir. Donc toujours silencieux, quoi qu'il arrive. Alors, je vous rappelle, la discrétion, c'est pas dans mes capacités. Hein, mais... À moins que tu l'égorges silencieusement. Derrière la porte, vous allez trouver un homme mort. Il est bien mort, donc n'ayez pas peur. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est à vous. J'espère. La seule chose, c'est qu'il a une flèche dans le corps, vous me la ramenez. Et après, je vous emmène où vous voulez. On retrouve votre ami. Et les insectes, en fait, des araignées géantes, c'est ça ? Non, les insectes, c'est des choses qui rampent. Elles sont un peu grosses, mais pas énormément. Et elles attaquent ? Elles ne vous attaqueront pas si vous ne faites pas de bruit. D'accord. Pas de bruit. Leur vision est basée sur le bruit. Tout va bien se passer, je pense. Nous sommes une fine équipe. Alors, chère vieille dame, que j'ai envie de tuer, le marché, c'est que si on vous aide à vous libérer de ce pacte avec le démon, on vous donne la flèche, vous êtes libéré du pacte avec le démon. En échange, évidemment, on garde tout ce qu'on a trouvé autre que ça. Et vous nous sortez de la forêt de Sauvanie et vous nous faites retrouver Moussa. Alors, je ne suis pas garanti que vous le retrouverez, mais en tout cas... Ah, moi, bah, je... on ne garantira pas qu'on va trouver votre flèche. Mais non, mais de toute façon, il va vers... S'il est sorti de la forêt, c'est des plus de mon domaine. Mm. Ok, donc vous nous faites sortir de la forêt de manière sécurisée. On aille à Aria. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Enfin, votre campement est ici. Je suis juste venu... Pour rechercher la flèche? Exactement. Mais toute seule. Exactement, mais je n'ai pas peur des forêts, moi. Je suis une sorcière des forêts. Et pourquoi vous n'allez pas la chercher vous-même, la flèche? Parce que j'ai une odeur très forte. Ah, oui, les insectes sont sensibles à l'odeur. Et vous ne pouvez pas vous laver? Non. Parce qu'il y a une petite thématique vieille femme qui pue quand même dans cette aventure. Hein. Ça veut dire que. Un parfum, quelque chose. Ah non, elle sent pas mauvais, elle sent ouais, très elle bon, sent mais elle sent fort. Okay. Oui. Bon, allez, on y va. Alors, attends, il nous faut un plan quand même, parce qu'on rappelle qu'il y a une porte en fer qu'il faut crocheter discrètement. Ensuite, en principe, c'est juste derrière la porte. Tout va bien se passer. Hop. Oui, c'est un caveau, j'espère que c'est pas une dédale de tir. Est-ce qu'on est obligé d'aller à 4, on fera plus de bruit? Ah oui, non, moi j'attends. Comment ça? C'est vrai qu'on peut y aller à deux, on n'est pas obligé d'aller à quatre. Ah, oui. Bon, alors ok, on y va avec Ketra. Ketra, tu me protèges et moi je porte la pierre qui est donc il lève la pierre, vous rentrez dans le chemin. Effectivement, vous voyez des énormes scolopendres, mais genre ils sont vraiment comme ça, qui rampent partout, mais ils ne vous attaquent pas. Okay. Donc on y va discrètement avec Ketra. On avance discrètement avec Ketra pendant que ces deux lâches d'Atlan et de Clodomir. Ah, on surveille la non, on est derrière, on est devant la porte, on attend. Tu as une racine qui s'approche un petit peu de toi, mais tout doucement. Une racine. Oui, une racine de l'arbre. Il a dit que l'arbre bougeait. Okay. Ah ouais. Bah, vous approchez là, effectivement, pas loin, juste au bout, il y a une porte, excuse-moi, avec un symbole, tiens, je te donne le symbole. Et c'est une porte en métal, et il n'y a pas de serrure, c'est genre une plaque. Ok, voilà. Bon, comment est-ce qu'on va ouvrir ça? Donc là, pour les mots, on est les deux. Hein. Par contre, on voit le symbole avec Ketra. Au pire, on vient. La porte est vraiment hyper, hyper, hyper vieille. Elle est vermoulue, quoi. Plus que ça. Peut-être, si vous l'appuyez un peu trop dessus, elle va la péter. Non, il ne faut pas faire de bruit. Mais non, il faut la péter sans bruit. Mais non, on ne va pas péter une porte sans bruit, Claude. Mais quand le bois, il est bien mort, là. C'est pas du bois, c'est du métal. C'est du métal. Quand le métal, il est... Ouais, ok. Quand le métal est vermoulu. Bon, déjà, je mets des couvertures par terre. Ah, vous avez quatre couvertures, d'accord. J'ai des couvertures. Ok, d'accord, pas mal. Je rappelle que j'ai de l'huile d'olive toxique, si jamais elle peut faire fondre la porte. Ah, pour les gonds. Non, déjà, je voudrais regarder ce symbole. On a un symbole. Bah ouais, mais... Ah, je peux faire un jet de... Bah, perception. De perception sur ce symbole. Si je l'ai déjà vu, peut-être. Dehors. Non, mais il est pas là. On rentre, vous nous appelez. Okay. Non, non. Non, il est pas là. On est là. Alors, tu fais... Allez. Pas peine de faire un jet de perception, tu n'as jamais vu ce symbole. Okay. D'accord, et moi non plus, je suppose que je n'ai jamais vu ce symbole. Ok, alors... Je fais les aides de jeu en direct parce que vous allez aller très vite et vous n'avez pas pris tous les chemins, donc je suis un peu... On fait un peu le scénario de la prochaine fois, mais c'est tant mieux. Donc on a un symbole sur cette porte. Est-ce que si je passe la pierre sur le symbole comme ça, ça réagit ou pas? Pas du tout. D'accord. Il est très ancien et il a l'air d'être non magique. Il y a vraiment... elle est toute lisse, quoi. Il n'y a pas de... Non, elle n'est pas toute lisse. Elle est très abîmée par le temps et par la mousse et la végétation. Est-ce que si on la pousse légèrement, ça commence à faire du bruit déjà ou pas? C'est compliqué. Tu veux vraiment la pousser? Non, juste pour tester, voir. Je ne veux pas faire de bruit. Elle reste quand même bien coincée. C'est une porte. D'accord. Il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Il n'y a pas de poignée. A priori, c'est comme une plaque de métal qu'on a mis pour sceller l'endroit.
Il faut jouer. On aurait peut-être dû utiliser de magie un peu là. Peut-être utiliser de la magie. Parce que là, en gros, il ne faut pas qu'on fasse de bruit de toute façon. Ouais. Donc on ne va pas y aller avec la force. Non. Moi, j'ai aucune potion. À moins que. À moins que. J'ai peut-être une potion qui pourrait le faire. C'est quoi ? Je possède une potion. Il a une potion d'ouverture de porte. C'est vrai. Non, cette potion s'appelle le passe-muraille de Karlov. Ce n'est pas une potion de passe-muraille, mais on pourrait s'en servir parce que ah bah, cette potion permet de tout dissoudre sauf le verre. C'est pour ça qu'elle est dans un flacon de verre. Il faut l'utiliser, c'est parfait. J'aurais vraiment plus de potion à la fin, mais ouais, je pense que c'est un peu. Tu vas les refaire. C'est un peu, ouais, c'est un peu la potion qui s'impose ici. Si en plus ça se dissout, ça ne fera pas vraiment de bruit, la porte ne va pas s'écrouler. Allez, c'est parti. Donc, Niklas verse la potion sur la porte. Je n'ai plus aucune potion. Hein. Et la porte, effectivement, magiquement, magie de Kniga, disparaît, se dissout et tombe dans une sorte de flaque de métallique. Et vous pouvez entrer dans le tombeau. Alchimie, fuck yeah. Voilà. Hein, depuis le début de cette aventure. Alors. On rentre dans le tombeau. Donc, le symbole. Bon, ben voilà, c'était cool. Mais... Une pièce ronde. Dans un sarcophage petit et ouvert se trouve un petit squelette, petit, au crâne déformé. Et il y a une flèche en travers de sa cage thoracique. Il a également une petite couronne de fer gravée d'un symbole que je vous donne. Voilà. Mais foi au symbole. Donc là, on a un deuxième symbole. Et il y a symbole. D'autres choses, je vous les liste. Ouais. Il y a 10 pièces en os. Des pièces en os ? Ouais. Wow. Il y a un aigle d'une race inconnue qui est momifié. Okay. Il y a une lance qui est taillée dans un seul bloc, dans ce qui semble être de l'ivoire, mais vous vous demandez quel animal avait une sorte de dent en ivoire aussi longue et droite. J'ai vu une plume de 3 mètres il y a 2 jours. Hein, donc... Et une tablette dans une écriture inconnue. Donc on loot tout. Déjà, on loot tout. Kefra, tu prends tout avec moi, toi. Moi, je prends la lance. Ok, tu prends la lance. Je prends la lance. Moi, j'ai un char d'assaut, quoi. J'avoue que Kefra, c'est... Attends. Si tu prends ça, il faut que je prenne le reste parce que là, je suis en train de me perdre Est-ce dans mon inventaire. Est-ce que l'aigle momifié, ça peut te servir dans Je propose qu'on remonte et qu'après, on le montre à Atlan peut-être. Moi, je propose qu'on remonte tout. Alors, attendez. Il y a 10 pièces d'os que je vais prendre. Je veux bien qu'on remonte la couronne parce que Clodomir pourra lire ce qui est inscrit sur la couronne. Une Donc, couronne Il y a une couronne en fer sur le squelette. C'est super intéressant. Il y avait les 3 objets. On avait couronne, orbe et... Attendez alors. 10 pièces. On prend la couronne, bien sûr. 10 pièces d'os. Toi, t'as pris une lance en ivoire ? Oui. Ok. On a. C'est un pays, c'est marrant parce que éléphant, aigle momifié, ça fait un peu le pays de Moussa quand même, tout ça. Hein. C'est raciste ou quoi ? Mais non, la momification, c'est l'Égypte, l'éléphant, les autres, c'est des éléphants de guerre. Bon, on a tous joué à Assassin's Creed. Bon, bref, on a tous joué à des contes pour enfants, vous avez Assassin's Creed Origins quand tu étais enfant. Bon, c'est pas raciste du tout, enfin. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez tout ramassé ou pas? Tel pays a des éléphants, des momies oui, on a et... Tout pris. On a tout pris. Australie Vous revenez, alors quand vous revenez... Attends, j'ai oublié. On a 10 pièces d'os. On a une couronne. On a une lance. L'aigle momifié. On a un aigle momifié, voilà, comme dans certains pays qui momifient les gens. Et une tablette. Et une tablette voilà. Dans une langue inconnue qu'il faudrait être champion pour la comprendre. Voilà, donc il y a peut-être un pays qui se, qui se détache. Ok, Akaba. Vous revenez, il y a Xa qui est là, qui danse un peu un pied sur l'autre. Oh, vous avez la flèche. Bah oui. Attends. Tu lui donnes la flèche ? Ouais. Attends. 30 secondes, venez, on fait les choses. Elle est un peu hyper contente. Hein. Bah, elle est contente, bien sûr, je suis content, j'attends cette flèche. Ouais, parce que vous avez trouvé des trucs, hein, donc ? Oui. Alors, attends, d'abord, on lui donne la tablette. Peut-être que... Qui la tablette et la couronne pour Clodomir. La tablette et la couronne pour Clodomir. Je vais même lui donner les pièces parce que peut-être qu'il y a des inscriptions sur les Déjà, pièces. De base, la tablette, tu ne pourras pas la lire. C'est une écriture inconnue que tu n'as jamais vue de ta life. Une tablette qui est compatible avec rien. Voilà. C'est sans doute un modèle. Ça me rappelle quelque chose. Et la couronne La couronne est juste un symbole que je vous ai donné. Ça, c'est tous les écosystèmes fermés. Après, les civilisations. La couronne est un symbole. Oui, c'est ce symbole-là. Mais il n'y a pas d'autres mots, donc il n'a rien à lire. Donc je trouve. Il n'y a pas un truc connaissance. Culture des secrets, tout à fait. Connaissance des secrets. Je te transvase la tablette quand même, parce que tu sais lire au cas où. Ouais, et dans ton inventaire à toi, et moi je vais la lire de mon inventaire. Okay. Il faut une gestion de l'inventaire qui est un peu plus amazonienne. Oh, oui. Hein. Il faut gérer les stocks. Mieux. Moi j'ai la lance. J'ai la tablette et je fais connaissance des secrets sur le symbole de archéonique. Là, de... Et je veux bien te montrer le symbole qu'on a eu sur la porte qu'on a fait fondre au cas où, mais bon. Je peux faire double connaissance des secrets. N'en fais-en qu'un. Voilà. 78. Ça ne te dit rien du tout. Ouais, c'est normal. Non, je te laisse le symbole, au cas où.
Les pièces d'os, est-ce qu'on peut regarder s'il y a un symbole ? Ce sont des pièces complètement lisses. D'accord. Donc bon, allez, on lui donne sa flèche et... Alors, Keitra donne la flèche. Elle dit « Ah, merci ! Écoutez, vous avez tenu parole. Je vais tenir parole aussi. » Donc, elle range la flèche. Mais d'abord... Non, pas du tout. Je vais vous niquer tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je vous emmène où ? On sort de la forêt. Sortez de la forêt ? Attends. Ou... Je vous donne le même chemin que votre ami au turban, alors. Ouais. On n'a rien oublié derrière nous. Hein. Mais non, on a tout pris. Non, j'ai pas, attendez. Peut-être qu'elle a des infos sur les trois miracles. Parce que là, on a comme une couronne et on a un chemin vers un sceptre. Bon, bref. Oui, c'est vrai qu'on a une couronne déjà. N'ayez pas peur, je vais vous demander de faire quelque chose de particulier. Vous allez me donner la main. L'un d'entre vous va me donner la main et vous allez vous donner la main les uns aux autres et je vais vous allez me suivre, ok ? Parce que je vais utiliser ma magie pour sortir de la forêt. Est-ce que vous avez confiance ? Peut-être qu'on... C'est vrai, avant de sortir, peut-être qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dans cette forêt. Keitra, elle est devenue droguée à la forêt. Ah, la forêt. Moi, je serais d'avis qu'elle nous mette sur le chemin, ça s'arrête là, en fait. Non, moi, je lui donnerai la main. Attends, la flèche, là, doit se libérer de l'emprise d'un démon. Mais non, mais elle est gentille, la vieille. Elle a tenu ses promesses depuis tout à l'heure, quand même. Pour l'instant. Alors, tu peux ne pas leur donner la main. Si tu veux, toi, tu rentres par tes moyens. Il suffit de reprendre le chemin en arrière. Mais par contre, vous voulez pas explorer un peu plus ? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve ? Attends, on est sur notre lancée. Non, mais je vous rappelle qu'on doit trouver notre ami, là. Faut trouver Moussa. On doit trouver Moussa qui a été... Moussa, on va le retrouver à... Ah, c'est pas sûr. Il est peut-être en danger, Moussa. On n'en sait rien. Ah, là, il y a un choix qui se fait dans l'équipe. Moi, je donne la main, mais je suis le dernier de la file. Moi, je donne la main. Je veux bien être le premier à donner la main. Très bien. Donc vous moi, je veux bien être le dernier parce que j'ai une main maudite. Donc après, si quelqu'un veut me donner la main, je veux bien. Mais c'est celle qu'on appelle la main interdite maintenant. Tu donnes la main ou pas ? Ils donnent tous la main sauf toi. Ah oui, je donne. Donne la main. Donc, elle commence à marcher, elle vous tire un peu. Et effectivement, à chaque pas, vous avez l'impression que la forêt change un peu. Et à un bout d'un moment, la forêt devient un petit peu plus clairsemée. Et effectivement, vous n'êtes plus au cœur de la forêt. Et là, elle vous montre un sentier, elle dit « Regardez, il est parti par là. » Elle était réglo du début. Elle retourne, elle s'en va, elle disparaît à nouveau en utilisant sa magie. Tiens, fais-moi un jet de apprendre la magie. Intéressant ça. Ce que je trouve bizarre quand même, c'est que j'ai vraiment eu envie de la tuer. Bon, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Est-ce que c'est pas par rapport à ta marque ? Est-ce que c'est pas l'odeur d'herbe ? Ah non, c'est peut-être par rapport à la marque, c'est vrai. Enfin, j'ai regarde ça en fait. Dommage, pas de fromage. J'aurais bien aimé apprendre dommage ce tour. Dommage ratage, j'ai envie de dire. Dommage ratage. Vous continuez le chemin. Et. Sur le bas-côté de la route, vraiment la sortie est juste là. C'est-à-dire la forêt s'arrête, mais juste avant la fin de la forêt, vous voyez une petite chose dans les buissons, genre qui est comme cachée. Mais elle est à 20 mètres de vous. Petite chose. Petite chose. C'est ça ? Je ne sais pas, c'est une chose. Ça pourrait être un lapin, ça pourrait être un bandit. Allez, j'y vais. Champion. J'y vais. Tu fais quoi ? Discrétion ? Ouais, discrétion. Je m'approche discrètement. Grâce à mes superbes capacités de noble. Et c'est bon. Ah oui, le premier j'ai réussi d'Atlan ce soir. Il réussit parfaitement. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutrés. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non, parce que c'est la fin. Non, c'est pas la semaine prochaine. Non, ah oui, on se voit la semaine prochaine. Voilà, on se voit la semaine prochaine. Horrible. Donc c'est vrai, c'est encore les séries, elles s'arrêtent. Incroyable, oui, bah, incroyable du buisson. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été avec nous, excusez-moi. Ne quittez pas, parce que dans quelques minutes, c'est le débrief avec Ya qui va vous poser des questions. Donc on va avoir l'image qui va rester, on va couper le son, ne vous inquiétez pas. C'est dans 5-10 minutes maximum, restez avec nous. Et sinon, la suite, ce n'est pas dans 15 jours, c'est dans une semaine, vous saurez ce qu'il y a, ce que Atlan a trouvé, c'est fantastique. À tout de suite. C'est fantastique. À tout de suite. Non.
Bonsoir à tous, ou en tout cas, rebonsoir pour ceux qui sont là depuis le début. Alors ce soir, on va faire un peu le post-show. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions, c'est le moment ou jamais pour communiquer avec l'équipe, en tout cas les PJ et le MJ qu'on a là. Donc moi, j'ai récupéré des questions, mais dans un premier temps. Alors cette partie, comment ça vous a plu? Bah, alors écoute, là, on sait déjà, moi j'ai envie de trinquer ce genre de partie, encore parce voilà, que c'est important. On a tellement trinqué ce soir. C'est vrai que ça a été un et peu... Et dans tous les sens du terme, on a trinqué en termes de combat. Donc là, heureux d'avoir sauvé le coup, 3-4 coups d'affilée, tu as été un incroyable. Peu le MVP alors, sur cette Je me suis dit que j'allais être le boulet de cet épisode, je sais pas pourquoi, je me sentais vraiment boulet. Et il a fallu que mes amis failent. Certains compagnons faillent en série. Non, pour effectivement sortir les deux frames. Il y a eu de beaux jets de dés. Alors du coup, ouais. j'ai des questions de un peu tout le monde. Donc Tolmin qui va poser des questions. Alors c'est beaucoup pour Fibre Tigre, hein, faut pas se dire. Bien sûr, c'est normal. Les sorciers sont pourchassés. Est-ce qu'ils sont pourchassés partout? Et y a-t-il aussi de la magie divine, hein? On parle des prêtres, ce genre de choses. Alors je peux pas. Alors effectivement, les joueurs découvrent le monde en même temps que les PJ un peu, parce que. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Et ce qui, pour moi, si vous voulez, si je dis les sorciers sont persécutés ou sont poursuivis, et que Daz écoute l'émission, il va peut-être agir différemment. Donc il ne sait pas, et vous ne savez pas non plus, vous verrez. Donc ça laisse un peu une part de mystère, et ça c'est pas mal. Voilà. Donc il y a pas mal de gens aussi qui sont un peu, alors avec toi, contre toi, on ne sait pas trop, qui on va dire qui compatissent avec tes jets de dés de Rive. Ah non mais moi c'est dramatique. Non mais le pire c'est que, en fait, je sais que je fais toujours des bons jets de dés dans la vraie vie, donc quand tu fais des jets de dés qui sont hauts, tout va bien. Sauf que dans ton jeu, actuellement, c'est les bons jets de dés qui te ruinent. Et à noter qu'il a changé ses dés avant j'avais des dés Diablo, hein, pour tout dire, avant, des dés que j'avais chopés sur un press-tour Diablo, et j'avais l'impression qu'il faisait tout le temps 92. Je l'ai lancé 92. Donc j'ai piqué les dés de Lydia à côté pour me dire je vais faire des 32. Et j'ai continué à faire des scores de ouf. Et tu sais que pendant qu'il jouait, c'est ce que je disais, je lançais des dés comme ça, je me disais attends, mais c'est pas possible. Et à chaque fois, ça faisait 82, 78, 90. Et donc en gros, j'étais bloqué pour faire des bons jets. En fait, c'est ça. J'ai réussi un jet de dés à la fin, je sais pas comment j'ai fait, mais à mon avis, mon perso, je vais pas le compter. T'as découvert quelque chose d'incroyable. Donc incroyable. J'ai réussi un jet de dés. Bon, moi, je tiens à remercier la personne qui m'a fourni les dés pour l'émission de ce soir parce que. Le dé pipé, quoi. Non, mais j'ai commencé mon premier jet de dés, j'ai foiré. Hein, comme tout le monde, je sais, ça va être une soirée de la loose comme dame. Et après, ça a été le carry total. Bon, alors pour ceux qui se posent la question, ils ne boivent pas de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est dit. Bah, c'est du shampoing mi que fournit chaque séance dérive quand même. Il arrive. Ouais, bien sûr. Ah ouais. C'est très léger. On ne boit pas d'alcool sur Twitch, donc évidemment, on boit du shampoing mi. Alors, du coup, il y avait d'autres questions par rapport à. Avoir un point géopolitique sur les régions découvertes. Est-ce que ça, c'est possible? Ou est-ce que ça, spoilerait trop Alors, on a fait une carte grâce à June qui nous aide. J'ai pu fait... la mettre, d'ailleurs. Ils ont vu la carte. Alors, c'est un petit bout de la carte. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le Fog of War, donc on va découvrir cette carte au fur et à mesure avec les joueurs. Mais pour l'instant, on n'a vu qu'un tout petit. D'ailleurs, merci June, hein, parce que ça a fait tout l'habillage de l'émission. Et... Alors, il y a toute une Bible qui a été faite avec la géopolitique, les intérêts de chacun. Et une carte. Et en fait, ça, c'est un bout de la première carte, mais il y a trois cartes. Il y aura une nouvelle carte la prochaine fois. Et il y a une carte d'un monde un peu plus vaste. Et c'est encore la même chose. Les joueurs la découvriront en même temps que voilà. On a hâte. Enfin, moi, je l'ai déjà vu, mais vous avez hâte pour le coup. Ouais. Et du coup, on me demande si l'histoire est écrite au fur et à mesure ou est-ce que tu as déjà des points de chute un peu préparés en amont. Alors, moi, je connais déjà la grande fin, un peu comme je sais qu'à la fin du Seigneur des Anneaux, il se passe ça. Mais je ne sais pas comment ils vont y arriver, s'ils seront vivants même à chaque épisode. Et là, par exemple, ils sont allés vraiment beaucoup plus vite que prévu sur certains sujets. Et du coup, on a un peu empiété sur la séance de la semaine prochaine. Dit, mais c'est pas grave, tant mieux. C'est parce qu'on a grave tué ton énigme. Énigme. Alors, l'énigme, c'était pas prévu que vous la réussissiez. D'ailleurs, j'étais tellement. Je pensais que pas. Avant, j'ai dit, bon, allez, on passe au truc suivant. Et je l'avais mis de côté et j'ai dû aller la rechercher parce que j'ai dit, ils sont en train de la résoudre. Là, on parle de la deuxième énigme, mais il y a aussi l'énigme avec les chiffres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait l'énigme avec la porte après. Ouais, ça, c'était pas. C'était pas non plus. Moi, si Kefra m'avait pas dit que j'avais une potion, je me rappelais plus, j'avais cette potion. Ouais, vous auriez pu aussi le défoncer, attaquer les insectes. Il y a plein de choses possibles. Oui, c'est vrai. Mais l'énigme, elle était un peu tordue, ton énigme. Elle était résolvable puisque vous l'avez réussi. Oui, c'est vrai. Réussi. Mais je pense qu'on a loupé la fin. Les gens demandent c'était quoi la fin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient c'était pas ce 2, d'où il vient. Tu veux le texte ou pas? Non, mais je le connais, mais en fait, il manquait un 2 à la fin. Ouais. Et simplement, vous l'aviez sous les yeux. De la même façon que le texte qui commence par un 2, genre du 2 son truc, il y avait marqué 2 régnés à la fin. Et à chaque fois, Daz, en fait, il murmurait, il disait 2 régnés, tu vois. Et donc, on l'entendait pas. Et il y a un 2. Et Daz, c'est là, genre, non, avec sagesse. Avec sagesse. Les deux. Le pif de Daz. Mais ça va quand même. Du coup, vous ne saviez pas, mais les spectateurs ont pu vous infliger, on va dire, des choses et d'autres.
C'est Fibrotique qui avait prévu. Alors, le plus gros, oui, c'est effectivement l'araignée. Il y avait une possibilité qu'il ne se passe rien. C'est quoi, c'est un lapin tranquille? Non, il y avait la nuit tranquille, mais il y avait aussi un spectre. Mais de toute façon, il faut le savoir, le chat est fourbe. Il y avait un spectre. Le chat est fourbe. Ah, ça m'étonne de part du chat. Moi, je me suis dit, j'aurais été dans le chat. Je tiens à remettre les choses dans l'ordre. Il y avait aussi beaucoup de jets en amont que je n'ai pas encore cités, où ils vous ont mis des trucs cool. Ah, le chat est sympa en fait. Par contre, il y en a une tripotée qui voulait. Pour mettre les choses dans l'ordre. Petit coquin. On en parlera demain. Du coup, encore des questions. Alors, c'est souvent pour Fibotique. N'hésitez pas à poser des questions au PJ, parce que bon. Ouais. Alors, les questions, c'est effectivement. Attendez, les dés sont-ils truqués? Non, on va pas poser. Bah si, les merdes. Moi, je proteste. Hein. Je vais essayer. Toute cette semaine, je vais chercher des bons dés qui font moins de 20. Moi, personnellement, je lance le moins de dés possible. J'en ai presque. Je crois que j'en ai même pas lancé cette séance. Donc, les dés, on les voit là et c'est, ils sont pas. Les jets ne sont pas truqués. Voilà. Alors, on change mes stats et mets plus de 97. On va inverser pour deux. Peut-être tu trouveras un item un jour qui inverse. On ne sait pas. Ça serait beau. Combien de temps il a fallu pour mettre en place le scénario et ses possibilités? Alors, on parle. Alors, en général, quand je travaille sur un scénario que je n'ai pas écrit, du commerce, je compte 1h30 de travail pour 1 heure de jeu. D'accord. Donc parce qu'il faut bien s'imprégner de tout ça. Là, c'est beaucoup plus de travail parce que j'écris en même temps la Bible du jeu. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais demain si on veut publier sur jeuxvideo.com toute l'histoire, le background, tout ça. Et je pour notre MJ, hein, tu veux dire? Ouais, même si, je ne sais pas, demain on veut faire un Wikipédia. Pourquoi pas? Parce que Game of Thrones, ça va durer longtemps. Ouais. donc du coup, c'est, là, je travaille environ 1 heure par jour. D'accord. Tous les jours. Bah du coup, effectivement, je rebondis parce qu'il y a eu pas mal de questions sur ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui voudraient savoir où on peut récupérer les infos, c'est-à-dire les infos des personnages, vos infos, leur histoire, leurs statistiques. Et ils aimeraient savoir si on peut les mettre effectivement quelque part. Alors, les fiches de personnages, normalement, elles apparaissent à l'écran, je peux les transmettre. Parce qu'elles ne sont pas complètes, parce que les gens ont marqué qu'il n'y a pas tout. Ouais, surtout notre histoire, enfin, Kétra en parlera mieux, mais notre histoire, on la dévoile petit à petit, parce que chacun d'entre nous connaît son histoire et son background. Donc là, c'était marrant, parce que tu vois, Kétra, quand elle a divulgué un truc, elle n'a pas voulu nous le dire au début. Donc moi, on se doute qu'il se passe un truc, mais on ne sait pas. Ouais, en fait, ce que les auditeurs ne savent pas trop, mais se doutent peut-être, c'est que chaque joueur a une histoire et n'a pas dit un truc important de sa vie. Alors que moi, je ne l'ai pas dit, j'ai dit, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et ils ont décidé de ne pas jouer la confiance, donc ils ont tous un secret. Kétra a un peu avoué son secret. Et voilà, donc on ne sait pas. Il y a même des gens comme comment s'appelle, Niklas, qui ont raconté une histoire qui est très différente de la réalité, mais c'est un filou, sous une certaine vision. Donc, un jour, on apprendra peut-être la vérité. Donc, je pense que ces informations, on les aura c'était pas. C'était quoi tout cette voix dans ta tête, mec? Ben ça, je sais pas. La voix qui me dit de tuer, d'où tout seulement. Vient, quoi. C'est la première fois que tu as une. Mais du coup, l'idée a une bonne idée, parce qu'elle m'a dit que ça venait peut-être de la malédiction du talisman. Je me dis, c'est peut-être ça. Du coup, par un autre exemple de l'influence du chat, c'est qu'effectivement, l'attitude de la sorcière a varié suivant ce qu'ils ont voté eux. Donc, il y a pas mal de choses, mais vous reverrez effectivement au replay. Donc, il y a des gens aussi qui demandent, Ken Junior, qui demandent. Comment vous faites est-ce que vous préparez mentalement avant de vous mettre dans votre personnage? Est-ce que vous faites des trucs particuliers? Je sais que vous criez avant le. On a feulé ce coup-ci, mais on a hurlé le truc. D'habitude, ils se mettent tous en rang et ils gueulent comme des malades. Ce qui fait beaucoup de bien. Mais tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, pour vraiment sortir un peu de la méta et du JDR, je trouve qu'on a pris peut-être un peu de recul. C'était cool, hein. On a pris plus de recul sur nos rôles, on a plus déconné. Ouais. Par rapport à la première séance, on essaie d'éviter les blagues méta. Trop méta, mais il y en a eu 2-3 parce que. La cariolisation, c'était compliqué. L'ubérisation du truc, c'était je pense qu'on peut se permettre de faire des blagues parfois parce que c'est comme ça. Enfin, quand tu joues à un JDR, t'es aussi dans la vraie vie. Oui, à un moment, t'as une blague qui passe, tu te dis, mais je peux pas la laisser passer. Bah, sur l'Egypte, je sais pas pourquoi, j'ai vu comme ça. Tout le monde a joué à Assassin's Creed Origins. Oui, avec ton truc raciste, là, je suis désolé, mais. C'était pas raciste. Non, mais oui, bah, après, on connaît l'histoire du perso que vous connaissez peut-être pas entièrement. Donc c'est une façon aussi de faire découvrir. Bien sûr, c'est fait et de faire du RP. On sait à peu près ce qu'on peut faire. Mais à la base, on essaie de pas trop sortir du truc, quoi. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des petits clins d'œil, mais c'est pas trop voulu, quoi. Alors comme il nous reste que 10 minutes, on va faire entrer Naz et Lydia, histoire. Je te garde. Chouchou. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions sur le monde. On demande aussi s'il y a des paladins dans ton monde, parce que paladin est quand même une classe assez. Non, alors moi, le paladin, c'est quelque chose qui appartient bien à l'univers Donjons et Dragons. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je suis dans un monde un peu plus gritty, c'est-à-dire un peu plus proche d'une réalité entre guillemets qui aurait pu être. Donc on est plus dans un esprit Warhammer. Mm-hmm. Et donc il y a peut-être des équivalents de templiers, mais j'essaie de rester très simple. Donc des chevaliers, des magiciens. D'accord. Voilà, il n'y a pas de paladin. J'aime pas trop aussi les personnages très, comment dire, très manichéens, c'est-à-dire tourner vers le bien ou le mal. Voilà. J'aime bien les personnages un peu. Bon, j'allais dire tant qu'on est tous les deux, mais bon, au pire, c'est pas très grave. Ah, je peux repartir. Non, c'est bon. Est-ce qu'ils ont été.
Est-ce qu'ils ont fait des choses dont tu n'en es pas du tout? En tant qu'MJ, des fois, ça arrive. Est-ce que ça s'est passé là dans cette séance où tout est plus ou moins arrivé dans tes cordes? J'ai trouvé le traitement de Caldera assez cruel. Ouais, ouais. Parce que en fait, ils arrivent de nulle part, ils ont usurpé un truc et puis ils décident de tuer des gens. Je trouve que c'est bizarre, mais pourquoi pas? Parce que j'aime bien que les personnages ne meurent pas vraiment, comme ça ils peuvent revenir d'autre façon. Sinon, ça va plus ou moins. Ça s'est plutôt bien passé aussi. Ça a passé très smooth à rideau. Parce que, comment dire, l'audience a été très sympa avec eux. Je pensais que ça allait être très compliqué à rideau et en fait ça s'est bien passé grâce à l'audience, donc il faut les remercier aussi. Mais du coup, on ne sait pas combien il y a combien de faits qui ont été définis par Fibre. Du coup, j'en ai fait au moins 5 ou 6 qui ont été prédéfinis par Fibre. Ah ouais. Et à chaque fois, je laissais une à deux minutes et ça faisait 300 à 400 votes dans une à deux minutes, ce qui était plutôt pas mal. Alors, c'était souvent très très serré, quoi. Alors, comme je disais, il y avait ce fameux vote pour savoir si ça allait être une araignée, un spectre ou si elle allait se passer. Mais il y avait aussi, est-ce que ce personnage va vous trahir? Oui, non. Et souvent, c'était non. Les gens étaient plutôt sympas avec vous. Bon, après, il y a eu des oui. Hein. C'est pour ça que la sorcière, je la sentais vraiment, mais pas du tout. Mais en fait, elle était gentille. Ah, ça, je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas encore terminé c'est l'épisode pas fini de la encore, sorcière. Hein, ouais, c'est vrai. Alors, du coup, Lydia Daz, comment ça s'est passé pour vous? Vous étiez content de ce qui s'est passé? Ouais. Lydia, est-ce que t'as pété assez de gueule en tant que barbare ou tu es encore un peu... Non, mais ouais, j'ai tué plus de gens cette fois-ci. Ah, c'était mieux. Cette fameuse flèche sur l'araignée n'était pas très... Non, c'était pas top, ça. Franchement, le ratio arme récupérée, adversaire tué... Ouais, il est pas fou, hein. Ouais, c'est pas... Mais c'est pour ça que j'en prends plein. Ah bah ouais, mais il va falloir s'en servir parce que là, c'est un écureuil, en fait. Hein. Et alors, ta magie, ça, c'est pas... Ma magie, c'est, je pense, la magie la plus aléatoire de la galaxie. si je réussis à faire un truc qui tombera à peu près dans ce qu'on veut faire... Alors, tu avais la possibilité de tirer plus de cartes. T'as juste décidé de pas le faire, on est d'accord? Ouais, bah ouais, parce que, donc, je rappelle, j'ai 52 cartes. Chaque carte est un tour. Ouais. Et en fait, une fois que je l'ai tiré la carte, le deck, il diminue. C'est-à-dire, ouais, si jamais tu avais tiré là pour gérer l'araignée, je sais pas, une quinzaine de cartes, ouais, c'était fini pour tout le reste de l'expérience. Ces 15 cartes-là, je les revoyais plus. Là, déjà, j'ai un roi de cœur qui est parti. j'ai un peu pleuré, quand c'est même. Hein. Ouais, alors, le roi de cœur, il donnait du courage, mais ça veut dire que dans un autre... Non, tu influences les esprits. D'accord, ah oui, d'accord. Donc là, c'était pas vraiment utile. Donc là, roi de cœur, j'aurais pu... Mais par contre, s'il était en face à une armée de bandits, il aurait pu les effrayer, ils seraient tous partis en courant avec un roi de cœur. Alors, tant pis. On me demande si Forn Runner 2012, est-ce que tu fais autant de preuves de filouterie et de magistrature dans la vraie vie ou c'est juste là pour... Bah, il a un peu ça dans le sang. Non, la magie strature, c'est venu comme ça. Et je trouve que c'était pas mal trouvé en fait. Moi, ça s'est fait super bien. J'ai une émission avec lui qui s'appelle Studio 404. Je peux vous dire que ça filoute un peu. Ouais, ça filoute pas mal. Ouais, non, mais voilà, je trouve ça rigolo, ouais, la magie et la magistrature. La cariolisation aussi des exécutions, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, je tiens à le dire, je pense que vous en avez parlé juste avant, mais vous êtes des sanguinaires, ma parole. Vous avez tué 10 personnes. Ouais, ouais. Tu t'es pas, vivement opposé au truc. Bah, hein. Non, moi, on vit en démocratie, moi, je respecte. Je veux dire, il y en a trois qui sont pour les tuer instantanément. Moi, mon personnage... Tu me dis mot consent, tu vois le truc. J'avais pas le choix. Moi, mon personnage, il a été brimé pendant très longtemps, donc je suis désolée. Donc, il brime. Ben non, mais revoir, tu vois, des villageois... sous l'emprise de gens, bah... Oui, oui, mais c'est un taliban cool. On a Ketuki qui demande le Frau. Le Frau. Le Frau. Le Frau. Le monstre qui est apparu dans le village. C'était quoi, en fait? Est-ce que les joueurs auraient pu le tuer s'ils avaient voulu? C'est ça, sa question. C'est un mystère, mais ce n'est peut-être pas la dernière fois que les joueurs iront à Clam. Ah, du coup, on va essayer de pas... Okay. Bon, pas de... D'accord. Alors du coup, on me demande effectivement, Lydia, que tu sois un peu plus bourrine et un peu moins intelligente, parce que tu as été très intelligente sur cette game, très maligne, et je crois que ta stat d'intelligence, oui, c'est elle est pas énorme. 5. Ouais. Donc il va falloir essayer de Ok, réduire. Je ferai la débile la prochaine fois. Non, mais, je pense qu'histoire d'être un peu plus certé, effectivement, et c'est un vrai. Peu plus, je vais foncer dans le tas, je vous laisse un peu plus. Et ces fameuses deux dagues dans le bois, aussi, ça a été un peu... Alors comment tu détermines ça quand elle loupe? En fait, il y a échec critique, j'ai pas loupé échec beaucoup, là, quand même. Et réussite critique. D'accord. Donc déjà, quand c'est en dessous de 10, c'est no-brainer, c'est une réussite critique. Souvent, c'est la mort de l'adversaire. Et déjà, elle est très puissante. Donc quand c'est une réussite normale et que l'adversaire n'est pas très fort, c'est aussi une mort instantanée. Si c'est un échec, c'est simplement... alors, j'essaie de romancer. Enfin, donc jamais... là, les joueurs sur l'araignée, ils étaient possibilité. Il y aurait pu y avoir des morts, si vous l'avez prévu. Ah oui, il y a toujours possibilité de mourir. Et l'échec critique... Si par exemple demain Keitra fait un échec critique, c'est-à-dire par exemple si elle fait 100 ou 99, non seulement c'est déjà arrivé dans le pilote d'ailleurs,
non seulement elle rate, mais en plus elle frappe Clodomir, tu vois. Ouais. Ah, du coup ça devient terrible, ouais, effectivement. Quoi. Déjà que les points de vie là, ouais, bah, ça va vite. Sont partis comme des unités, hein, télécartes. Qui a commencé à baisser tranquillement, passé à 5 PV. Il a quand même perdu un point. Bah, à vie, ce qui est quand même... Ouais, ça, c'est énorme. Mais en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il fait une prière, il brûle, et il dit, bon, ce que je vais faire, c'est refaire une prière. Okay, mais on n'y a pas réfléchi, en plus, on y a pas pensé. Du coup, on se retrouve, nous tous, la semaine prochaine. Semaine prochaine, le 11, tout à fait. Et on repart sur une séance qui commence à 17h30. Espérons. Pour de vrai ? Pour de vrai, oui. Alors, il y a eu un problème technique au début. Il y a quelqu'un qui a formaté le PC où on bossait. Bon, bref, ce n'était pas le problème. Du coup, on attend avec impatience. C'est donc 2h30 de jeu. Voilà. Et on va pouvoir retrouver le VOD gratuitement, je crois, sur YouTube. Parce qu'avant, c'était que les subs, mais ça a bougé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter sur Discord aussi. Je sais que vous êtes tous sur Discord. Sur Discord de la JVTV. Leur Twitter, évidemment, on va les citer. Fibre Tigre. Lydia avec _AM. Voilà. DasJDM. DasJDM. Donc n'hésitez pas à leur poser plein de questions. En tout cas, on se retrouve dans une semaine pour la suite de l'aventure. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao.